De recevoir aujourd'hui Didier Dinard, Pascal Donadieu, Laurent Tilly et Guy Stéphane. Laurent. Et le tout managé par monsieur Bernard Grosgeorges. Je vous explique un petit peu le déroulement. Et Bernard Gros-Georges qui va animer le débat donc sous forme de table ronde. Il y aura des questions, euh, bien sûr, du public. Vous pourrez intervenir. À, vers 15h30, il y aura une petite pause. Vous pourrez échanger, si vous pouvez, avec les, les intervenants. Et nous reprenons donc vers 15h40 les deux thématiques qui, qui suivront. Donc, ces thématiques ont été euh, construites avec les intervenants. Donc je pense que pour tout le monde ça va être très, très intéressant. Merci. Encore un applaudissement pour euh, les quatre personnes qui sont là. Bernard, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Je pense qu'on vit un moment un petit peu particulier aujourd'hui parce que on a un alignement des planètes. Je souhaite qu'on puisse avoir autant de personnes gratifiées par la réussite en si peu de temps, je le souhaite, mais ce n'est pas évident. On a une autre chance aussi, c'est de, de pouvoir échanger à partir d'experts, on va dire, de, de disciplines différentes. Dire que Chaque sport a, a sa particularité, mais on, on a tous ensemble beaucoup de points communs. Donc euh, voilà un petit peu le, ce qui a motivé cette, cette réunion. Et, euh, il faut insister aussi sur le fait qu'avant de rentrer dans les dans les détails ou dans les choses plus avancées sur le, ce qui avait été prévu, je voudrais aussi rappeler que manager la réussite, il faut aussi s'interroger sur les deux termes. Manager, ce n'est pas entraîner. C on, on a une autre dimension et on aura l'occasion d'y revenir. La réussite, ça peut être le résultat, mais ça peut être, on peut réussir à atteindre des objectifs aussi. C'est pas forcément. Le résultat, ou c'est le résultat, mais pas que. Donc il y a ces deux côtés-là qui méritent d'être présents là, dans tous nos échanges. Et personnellement, je pense, mais on aura l'occasion d'en parler, euh, la réussite, c est, c est, ça peut être regardé comme un, un produit, c'est-à-dire qu'on produit une réussite ou une performance, une médaille ou un titre, mais on peut aussi regarder la réussite comme un processus, comme quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Parce que le regarder comme, comme un processus, c'est renvoyer à tout ce qui a été assimilé dans nos cultures, assimilé par les échecs, par les réussites, par tout ce qui a fait qu'à un moment donné, on arrive à un certain niveau. Et très souvent, on entend dire d'ailleurs que cet échec-là nous a amené à réussir la campagne d'après. Très souvent. Donc voilà un petit peu deux, trois choses sur lesquelles. On peut s'interroger et on va essayer de dégager aujourd'hui des... quels sont un peu les grands ingrédients qu'on va retrouver lorsqu'on va se trouver en situation de réussite. Il y a forcément des choses qui vont être exposées par chacun et qui feront le fond commun de ce, que, de ce que peut être un processus de victoire bien engagé. Donc voilà. Et pour arriver à ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, la, je viens sur la, le, le terme de cohésion qui va revenir très souvent dans les débats, je pense. La cohésion n'est pas au début. Elle est, elle est le fruit de tout un travail. Très souvent, on présente la cohésion comme étant euh, euh, le maillon par lequel on va tirer tout. Non, non. La cohésion, elle va passer par des conflits, elle va passer par des tensions, elle va passer par des, du, du recentrage autoritaire quelquefois, voire aussi par des on va dire on donne un peu les clés aux joueurs pour leur faire, leur faire comprendre qu'à un moment donné il faut se ressaisir et pas, et, pas, et être totalement présent. Voilà donc il faut essayer de voir je pense je reviens sur le terme de, de manager le de management pour les sports collectifs mais je pense qu'on va le retrouver dans, dans beaucoup de choses de la vie en tout cas tellement, il y a tellement de facteurs qui sont impliqués que ça devient très fragile. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en parler abondamment, je pense. Et manager, c'est en même temps, il y a deux côtés. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a des règles de vie, il y a un code de la route à respecter quand on fait partie d'une équipe. On, il y a des lignes à pas dépasser, mais il y a aussi une grande flexibilité. Donc c'est ces deux pôles-là que vous maniez forcément avec euh, subtilité, sans le savoir, mais avec subtilité. Donc, ça, ça, fait, ça fera partie, je pense, des, des, des choses qui vont être sur la table dans, dans le moment que nous passons ensemble. On va, alors, il y aura trois temps dans, le, dans notre regroupement. Il y aura, on va regarder maintenant Manager la réussite d'une façon un petit peu chronologique pour essayer de cadrer un peu nos, nos, notre, notre réunion. Il y a les, le management de tout ce qui se passe en amont des grandes échéances. Et euh, ce n'est pas forcément ce qui est le plus connu des, des, des noms impliqués, on va dire. Mais il y a énormément de choses qui, si elles ne sont pas faites en amont, on ne pourra jamais rattraper ce qui n'a pas été fait en amont. Donc vous aurez à, à développer là-dessus. Toujours sur le premier point, il y a le problème de la sélection. Il y a, il y a des joueurs qui sont de très bons joueurs, mais on n'a pas forcément envie de les prendre dans la sélection. Pour tout un tas de raisons. Et vous vous expliquerez là-dessus, j'en suis sûr. Le troisième point, il y a le scouting. Le scouting qui est un élément aujourd'hui majeur. Majeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le staff, mais il y a aussi les joueurs. Tous les joueurs se connaissent et puis ils se connaissent par cœur. Mais le staff doit anticiper dès qu'il connaît la composition des futurs adversaires. Et il doit se projeter sur qui va jouer, qui sera le joueur majeur probable de l'équipe adverse. Et il doit aussi s'interroger sur la composition des staffs qui vont, qui vont lui être opposés aussi. Donc voilà un petit peu le, le premier grand thème. Le deuxième thème, ça sera la une fois qu'on aura échangé sur ce thème-là, le deuxième thème sera découpé en plusieurs sous-thèmes, on va dire. C'est les leaderships possibles et leurs contributions. C'est-à-dire qu'il y a des leaders qui sont plus liés au jeu, des leaders qui sont plus liés. À la sociabilité des groupes. il, y a, il y a tout, Et puis il y a des leaders qui peuvent émerger et d'autres s'effacer un peu. Donc, ça, ça sera une des, un des, des sous-thèmes qui sera abordé. Et la flexibilité des stratégies, ça fait partie des choses sur lesquelles on aura à débattre. Et euh, diriger des joueurs responsables. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le, le maillon, le, je pense, le plus important aujourd'hui dans le management des équipes de très haut niveau. -dire que il faut bien manager, donc donner une direction, avoir une vision, donner des objectifs partiels à atteindre, etc. Mais en même temps, faire preuve d'une grande flexibilité par rapport aux situations qui sont totalement imprévues. Pourquoi elles sont imprévues Parce qu'on est dans des machines très complexes. Et plus les choses deviennent complexes, plus il est difficile de gagner en performance. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner beaucoup, mettre beaucoup d'argent sur la table, il faut faire plein de choses pour gagner pas grand-chose. Et en même temps, il faut, être, il faut être capable de changer de plan. Changer, changer complètement de plan. C'est complexe que ça devient imprévisible, donc il faut, faut anticiper autant qu'on peut sur les choses qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà un petit peu le deuxième thème. Le troisième thème concernera les, la continuité entre ou les ruptures aussi entre performer et former. Alors ça nous, ça concernera le deuxième temps de, en compétition. Il faut performer bien sûr, mais je pense aussi que en, dans les compétitions les joueurs apprennent plein de choses, on, se forment entre guillemets, se préparent à la prochaine échéance. Donc ils performent et ils forment, ils se forment et on, on on va, on va décliner enfin sur le dernier point, c'est... Et, et les jeunes, comment, comment la situation actuelle peut nous permettre de revoir, repenser, se projeter pour former des joueurs qui apprennent vite, qui soient des compétiteurs, qui soient très disponibles, qui qu ne dis dispersent pas. Donc voilà un petit peu le dernier, le dernier moment de, ne, de notre moment ensemble. Voilà, donc... Euh, on a trois plans. Je reviens maintenant sur le, le premier thème. Ah oui, Bernard, hein je te propose donc de, de poser la, oui. la première question. Alors, qui, qui le veut Ça concerne en amont la préparation. Alors on peut commencer par la sélection. Comment c'est euh, Pascal, alors juste avant, avant de te donner la parole. Il faut beaucoup de joueurs pour faire une équipe avec le basket. Quand on va vers une grande compétition, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Il faut euh, donc la sélection finale, c'est 12 joueurs. Donc la, la difficulté, bien évidemment, de, des sélections, c'est la complémentarité, c'est-à-dire faire en sorte que il y ait des joueurs, euh, des joueurs plutôt scoreurs, des joueurs forts en attaque, des joueurs forts défensivement. Donc il faut qu'on arrive à, à créer cette unité. Donc je crois que c'est ce qui se passe dans, dans nos sports respectifs. Prendre les 12 meilleurs joueurs, les 12 joueurs les plus talentueux, c'est quelque chose qui peut être piégeux. Donc nous, on l'a connu en 2017 où on a été un peu plus en difficulté. Donc là, sur la compétition, sur la Coupe du Monde en 2019, on a voulu prendre des joueurs majeurs qui étaient des joueurs impactants offensivement, avec aussi des joueurs de rôle. Et bien évidemment, le problème de la préparation, c'est tout ce qui peut se passer pendant la préparation en termes de blessures. Nous, cette, cette, euh, pendant la préparation, on a perdu deux joueurs qui étaient censés être des joueurs majeurs. Le meneur de jeu, Thomas Hortel, qui joue à Barcelone, et Adrien Moyerman. Donc c'est toujours être en capacité de s'adapter, avoir des plans B en réserve et à la fois continuer d'avancer avec son équipe en sachant que les blessures peuvent intervenir au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, mais aussi à une semaine du début de la compétition. Donc la, la, la sélection est extrêmement difficile à faire. Et surtout, le, le piège qu'il peut y avoir, c'est d'être concentré uniquement sur les derniers joueurs susceptibles de faire partie de cette sélection, au détriment de ce qu'on veut mettre en place pendant la compétition. Donc c'est le dosage à trouver entre ces deux aspects. Vous voulez compléter Merci. Euh, D'abord, très heureux d'être parmi vous. Euh, en ce qui concerne le, le, le foot, c'est vrai que c'est la sélection avant une Coupe du Monde comme ça a été le cas en 2018. C'est fondamental, c'est primordial. Pourquoi Parce que ça conditionne le résultat. Et sans être trop long, si je veux faire un petit historique de ce qui a été fait par exemple en 1998 et ce qui a été fait en 2018, c'est deux méthodes complètement différentes pour former une liste, mais c'est deux méthodes qui ont réussi. En 1998, il avait pris 28 joueurs pour in fine en garder 22, parce qu'à ce moment-là, c'était 22. Aujourd'hui, c'est 23. Des 22 joueurs. Donc les 28 se sont entraînés en même temps pendant une quinzaine de jours, sans savoir qui était dans les 22. Et c'est simplement au moment de la liste officielle qu'il y en a 6 qui ont été éliminés. Et il a gardé les 22. Et ils sont allés au bout avec les 22. C'est une méthode qui a réussi. Didier, Deschamps. Il a fait un changement radical par rapport à ça. Il a d'abord donné la liste des 23, c'est-à-dire que cela était sûr d'aller à la Coupe du Monde, et, et il a donné en même temps une liste de remplaçants. Et ces remplaçants savaient qu'ils étaient remplaçants. Et ils se sont entraînés avec nous pendant 15 jours. Ils étaient seulement là pour pallier à une blessure ou pas. Il se trouve qu'en 2014 on a eu deux blessés, en 2016 on a eu trois blessés, en 2018 on a eu zéro blessé. Voilà donc cette liste. Alors ce qui a changé aussi, c'est que, euh, donc je, je répète, c'est radical le changement parce que les 23 joueurs sont connus d'entrée. Ce qui a changé, c'est que les suppléants, on les appelle comme on veut, les suppléants ou les remplaçants, euh, faisaient la préparation avec les 23. Ce qui a changé en 2018, c'est que les remplaçants N'ont pas fait la préparation avec les 23. Ils avaient un programme à suivre individuellement et ils devaient pallier à une blessure, rester en France au cas où il y aurait une blessure. Et en 2018, il n'y a pas eu, il y a pas eu de, de blessure. Pourquoi il a fait ça Parce qu'il voulait, il voulait gagner en cohésion rapidement et euh, il disait que c'était, il, il a raison, que c'est plus facile de s'entraîner à 23 qu'à 34. Si on prend... Et 20... Pourquoi 23 Parce que tous les postes sont doublés. Et... et le poste du gardien de but, il est triplé. Quoi. Il y a trois gardiens de but. Et... Voilà. et comment faire la liste après On est parti d'un système de jeu. 4, 2, 3, 1. Et, que... et tous les postes ont été doublés. Et euh... Lui, le... Après, le but de tout ça, c'est de faire cohabiter de manière harmonieuse 23 mecs qui vont vivre ensemble pendant... On ne le sait pas au départ, on ne savait pas qu'on allait au bout, mais c'était 55 jours. Voilà, c'était ça le, le but. Et dans le choix des joueurs, c'est obligatoirement des bons, voire des très bons joueurs, ce n'est pas obligatoirement les meilleurs. C'est ceux qui sont capables de vivre ensemble pendant 55 jours, puisque ça durait au maximum 55 jours. Et tous les joueurs ont été observés avant dans des rassemblements antérieurs, tous les joueurs. Ils ont été observés sur leur qualité de footballeur, sur leur qualité d'homme. Donc il n'y a, a pas de surprise après. On, sait, on savait que ces 23 joueurs-là pouvaient cohabiter pendant deux mois environ. Donc voilà, après, je, je, c'est un peu la même chose. Il faut trouver des complicités, il faut trouver des automatismes. Euh, voilà, il faut que ça fonctionne euh, ensemble. Et voilà ce que je voulais dire pour euh, en préambule. Vous n'êtes pas obligé de reprendre oui, sur ce thème-là, si, si vous le voulez bien sûr, mais vous pouvez aussi vous sur un bon. autre thème. Moi oui. en Bonsoir. Bonjour à tous. Euh, moi je pense que je vais faire un peu la synthèse des deux, hein, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que plus les staffs, plus les collectifs sont élargis, plus on a de difficultés à ce qu'il y ait une collision de groupe. Euh, à l'époque quand j'étais entraîneur adjoint on a même fait un stage pour vous dire que c'est la liste finale est de 16 et faire entraîner en gros 20 ou 21 personnes comme on pouvait sélectionner quand j'étais adjoint, adjoint de Claude Onesta ça devenait compliqué parce qu'en plus il me disait fais en sorte euh, à ce que les remplaçants ne se rendent pas compte qu'ils ne vont pas être sélectionnés il disait Claude, tu me demandes de faire une grosse gymnastique quand même. Donc, mais bon, donc il fallait que tout le monde reste concerné jusqu'au bout de jusqu'au jour de la sélection. Euh, L'an dernier, euh, c'est vrai qu'on a eu euh, une transition qui a été faite fait très lentement. On a eu euh, des joueurs qui sont rentrés progressivement en équipe de France. Et euh, la, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que j'ai trois euh, générations euh, dans mon collectif. J'ai les quatre derniers experts qui restent. J'ai la génération intermédiaire euh, qui reste les Luka Karabatic, Valentin Porte, euh, Pantamae, et la jeune génération qui est très talentueuse aussi, qui est la génération 96-97. Donc il faut faire cohabiter tout ce monde-là. Donc j'ai fait l'année dernière, on va dire avant la sélection euh, du Mondial, un collectif de 20 joueurs, sachant que nous sommes partis à 18 et qu'on devait en inscrire 16. Euh, je peux vous dire que je suis plus pour réduire mon collectif, responsabiliser les joueurs pour qu'ils sachent et ils arrivent à se positionner dans le collectif parce qu'on se crée que des problèmes <laughs> je vous jure que c'est que des problèmes parce que euh, le, le titulaire ne sait pas si on lui fait confiance à part entière parce qu'il voit qu'il y a quand même un remplaçant qui est là et il ne sait pas s'il a la, la confiance totale de l'entraîneur en vue de la compétition et donc forcément ils sont aussi ciblés sur eux on parle souvent d'ego, donc il faut qu'il y ait une transparence et qu'ils voient aussi le plan de croisière c'est très important pour eux pour avoir été un ancien joueur, euh, je pense que le joueur a besoin d'être sécurisé. Ce n'est pas parce que ce sont de grands athlètes qui, euh, qui ont forcément euh, besoin de, de, de certitude avant l'entame des compétitions. Donc moi, je, je partage parfaitement ce qui a été dit. Et donc, euh, je pense que dans, dans la durée du débat, on pourra approfondir un peu plus. Euh, très court, euh, sur la question euh, comment constituer un groupe performance... Et Faire une liste de joueurs motivés à rendre l'équipe performante. Si on tourne la question comme ça, on a déjà un peu plus de solutions. Moi, j'ai la chance de pas avoir beaucoup beaucoup de joueurs <laughs> et j'ai horreur des turnovers. Et donc, je suis aussi dans l'esprit commando et un peu voilà, j'ai le droit à avoir 14 joueurs. Et bien, je fais mes stages, je fais une liste de 14 joueurs. J'ai des remplaçants, ils sont alertés, qui peuvent être appelés à n'importe quel moment. Mais euh, je travaille sur les 14 joueurs de l'équipe pour accélérer le temps de cohésion. Pour établir une sorte de hiérarchie ou un cadre de vie plus ou moins élastique, on parlait d'adaptabilité, de rigidité, de rigueur ou pas, mais plus ou moins élastique, pour rendre l'équipe performante. Et une équipe performante, elle est performante que s'il si y a. Euh, en fait, c'est un puzzle. On ne prend pas les meilleurs, on prend les joueurs qui s'emboîtent le mieux sur le terrain, et techniquement, et physiquement, ou tactiquement, et mentalement. Et on essaye de jouer sur ces quatre nuances pour avoir une équipe la plus solide et la plus stable au cours de la compétition pour être performant. Donc là, il y a, pour moi, il y a une question de, de liste, de choix, euh, mais il y a aussi une question d'entretien de la motivation par le type d'entraînement et le type d'activité qu'on va proposer sur la, sur la préparation, qui est essentielle. Parce que qu'une liste peut toujours être modifiée. Par contre, le contenu est un peu moins modifiable. Donc voilà un peu pour le, ma petite remarque rapide. Juste encore un mot. Le, on a parlé de la sélection des joueurs, mais il y a aussi une sélection du staff. On n'en a pas parlé. C'est-à-dire que vous êtes quand même sélectionné, vous aussi, quand vous êtes dans un staff. Et vous êtes sélectionné par rapport à certaines qualités que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément un point fort. L'expérience le vécu des, des, des compétitions précédentes, que sais-je. On, on peut rester un moment là-dessus Oui, c'est très, très important parce qu'il y a, il y a la, la force des joueurs, il y a la force du staff, et ces deux entités-là ont un objectif précis, c'est gagner. Nous, on a 19 personnes dans le staff, je ne sais pas, voilà. Par contre, on a un staff technique extrêmement réduit, je pense que c'est le plus réduit au monde, on est quatre, Didier Deschamps, moi-même. Franck Raviot qui est l'entraîneur des gardiens de but et un préparateur physique qui était Grégory Dupont et qui est aujourd'hui Cyril Moine. On n'a que quatre personnes, c'est vraiment, vraiment réduit par rapport aux autres nations. Après il y a un staff médical, il y a l'intendance, il y a les deux personnes à l'analyse vidéo, il y a la sécurité, etc. Donc ça arrive à 19 personnes et il faut que ces 19 personnes vivent bien ensemble également et ils ont le droit eux aussi. Pendant 55 jours, d'avoir mal dormi, d'avoir eu un coup de fil de leur femme ou d'un enfant qui est malade, etc. Et il ne faut pas que ça rejaillisse sur les joueurs qui, eux aussi, ont leurs problèmes, qui, eux aussi, sont quelquefois remplaçants et ne sont pas contents d'être remplaçants. Et on a besoin d'eux pour le match qui suit. C'est pour ça aussi que le staff, en particulier le staff technique, doit valoriser beaucoup ceux qui ne jouent pas. Euh, publiquement même, sur le bon comportement qu'ils peuvent avoir à l'entraînement, sur le bon comportement qu'ils peuvent avoir en dehors de l'entraînement. C'est très important parce qu'à un moment, on peut en avoir besoin de ceux qui ne jouent pas. C'est peut-être à un moment, eux, qui nous feront gagner le match. Et donc, tous ces, tous ces facteurs-là, c'est vrai que le staff, dans son ensemble, ça doit être une force, et ça doit aussi donner des éléments aux sélectionneurs pour qu'ils prennent la décision la plus appropriée possible à un certain moment du déroulement de la compétition. Vous voulez compléter ou pas sur ce, ce point-là Oui, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est que il faut que le, le staff, très élargi ou pas élargi, soit sans faille et vraiment très uni, euh, qu'on ait des échanges. Et moi, j'ai la chance de travailler avec Vincent Collet quelqu'un qui est, qui est dans le dialogue et avec qui on peut échanger. Mais ça, c'est les réunions en interne. Par contre, je pense qu'il faut vraiment que les joueurs, bien sûr les médias qui occupent une part importante dans ce genre de compétition, euh, on montre une unité sans faille, quelles que soient les circonstances, quels que soient les petits désaccords qui pourrait y avoir entre le médical, entre le préparateur physique, ce qui peut arriver sur une préparation assez longue. Mais ça, je pense que c'est capital, qu'il n'y ait aucune faille médiatique ou par rapport aux joueurs. Oui, je pense que c'est très bien, j'aime bien l'histoire de. Qui, qui, que ça soit sans faille. Donc c'est vrai que quand, pour avoir vécu une compétition à domicile, euh, le mot d'ordre avec Guillaume, Gilles, c'était de dire euh, faut qu'il n'y ait personne qui rentre entre nous deux. Donc ça soit même le président de la fédération, parce qu'à un moment donné, ce qui va faire que la compétition sera belle, c'est les 16 joueurs qui étaient sélectionnés et les deux entraîneurs qui y avaient. Donc euh, nous, par exemple, dans la, notre façon de fonctionner, c'est qu'au euh, moment technique, il n'y a que les techniciens, il n'y a pas de corps médical. Parce que ce qui veut dire que s'il y a une information qui sort d'une réunion, c'est forcément les 16 ou les deux qui ont fait l'erreur. Donc là, on contrôle. Alors que, ce qui se passe, alors que le médecin ne va pas forcément contrôler, euh, les informations, gérer les informations de la même façon. Pour autant, je respecte le secteur médical, je ne mets pas le pied dans son secteur, ni au niveau euh, des kinés. Le responsable vidéo a à des, à des informations particulières à donner, il les donne. Euh, donc tout le monde a sa fonction et tout le monde est respecté à sa juste valeur, et le responsable de la communication de la presse aussi qu'on euh, qu respecte énormément et qui nous donne aussi des, directions, des directives pardon, euh, pour pouvoir avoir le, blanc pont de, le bon plan de, de, de travail. Euh, la nouvelle particularité, c'est que dans un, dans un staff, on n'est pas forcément tous amis. On cherche la compétence. Donc si quelqu'un est compétent et la personne doit rentrer, la personne rentre. Par exemple, dernièrement, j'ai convoqué et sélectionné un responsable des gardiens de but. Parce que je ne suis pas gardien de but. Pour moi, gardien de but, c'est un sport individuel dans un sport collectif. Donc, comme je n'ai pas été dans un but, dans les buts, je ne sais pas comment fonctionne dans sa tête. Il n'y a qu'un gardien de but qui peut, qui peut en comprendre, comprendre un autre. Donc, voilà. Donc. Et d'ailleurs, Philippe Bana nous avait dit. Il m'a dit ouais, :« Vous voyez, c'est Didier a convoqué quelqu'un quelqu qui ne connaissait pas avant. Genre je ne le connaissais pas. J'ai entendu parler en bien de lui, forcément, parce qu'il faisait du très bon travail au niveau de la filière. Et donc, du coup, aujourd'hui, je peux me permettre de travailler avec lui. Voilà. Ouais, obligé, hein. Non, mais je suis un peu dictateur, donc j'en profite. Donc, euh, non. C oui, il y a loyauté aussi, il y a solidité, il y a entente. Moi, le problème, c'est que mon staff médical, ils ne sont que des voleurs, donc euh, ils mettent leur grain de sel, non, je plaisante. Euh, mais on est assez, euh, assez solidaires, très solidaires d'ailleurs, et on respecte les décisions, même si parfois c'est difficile, parce que nous, ce n'est pas 55 jours, c'est 4 mois et demi dans, dans l'année, et ce n'est pas fini. Donc on a beaucoup de voyages, beaucoup de complications, c'est long, et on a des moments un peu plus difficiles aussi à vivre en staff, parce que c'est très long. Et, euh, dans mon staff, je suis le seul à 100% avec l'équipe de France. Tout mon, tout mon, mon staff est dans, dans les différents clubs avec d'autres obligations aussi. Donc c'est un peu difficile à gérer, à manager. Mais euh, non, ce qui est important, c'est cette solidité de, du staff aussi et les compétences, bien sûr. Je vais rester encore un tout petit peu sur la sélection. En NBA, ils définissent d'entrée qui est la doublure de qui. C'est plus simple. Alors ça ne veut pas dire que ça marche toujours, mais ça crée moins d'ambiguïté. Une deuxième chose aussi qui a été énoncée indirectement tout à l'heure, c'est qu'il y, y a des doublures, ça peut bouger, mais il y a aussi des jours de mission. On en parle à midi. Par exemple, pour jouer telle ou telle équipe, à un moment donné, il n'y a pas 36 joueurs, ou il y en aura peut-être un qui ne sera pas un joueur majeur. Mais qui va avoir un impact dominant pour faire basculer le résultat sportif. Tu peux revenir un peu là-dessus Oui, c'est ce qui a été souligné tout à l'heure. Justement, bien sûr, il y a les joueurs dans nos différents sports, les buteurs au foot, les joueurs qui mettent beaucoup de points au basket ou autre. Mais je pense que ce qui est important, c'est de mettre en valeur le travail de l'ombre dans des compétitions comme ça. C'est-à-dire que. On, a des, on rencontre les meilleurs joueurs au monde, donc il faut trouver les joueurs pour stopper ces meilleurs joueurs, ou au moins minimiser leur rôle. Et surtout, c'est des, des rôles qui ne sont pas forcément très spectaculaires, qui ne sont pas trop mis en avant, et il faut les mettre en valeur. Mais ça peut être les mettre en valeur à l'intérieur du staff, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, pour faire en sorte, faire comprendre à, à des joueurs peut-être un peu plus brillants que sans ces joueurs-là, la victoire va être difficile. Donc c'est de créer une dynamique et je pense que, les on en parlait par rapport au foot et, et nous, ça a été un peu le cas cet été, je pense que ces joueurs-là sont vraiment très très importants dans, dans la victoire. C'est-à-dire qu'ils vont donner quelques minutes de par leur état d'esprit, de par leur implication, ils vont être prépondérants dans le succès et surtout, il ne faut pas couper le dialogue avec ces joueurs-là. Parce que de temps en temps, c'est des joueurs qui jouent très peu, voire pas du tout. Dans certains matchs, il faut qu'ils restent motivés, il faut qu'ils tirent l'équipe vers le haut lors des entraînements, il faut savoir qu'on joue quasiment tous les deux jours, que des fois les joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu ont tendance à se relâcher un peu. Donc ces joueurs-là, pour moi, sont la clé du succès, ces joueurs de rôle, comme on peut dire, sans être péjoratif. Oui, je veux bien revenir sur l'histoire de la NBA avec, euh, Kid, avec la, la doublure désignée d'office. Euh, J'ai été confronté à ce problème cet été, un petit peu, et avec une équipe avec des joueurs euh, très polyvalents et qui, enfin, qui, qui évoluent pratiquement tous dans les meilleurs clubs à l'étranger, avec problème de hiérarchie, où tout le monde voulait être sur le terrain et on est obligé de faire des choix. Et à faire beaucoup de turnover, il y a eu beaucoup de frustration en fait, parce que les premiers titulaires étaient frustrés d'être remplaçants, les remplaçants étaient frustrés d'être sur le terrain, de gagner et puis de redevenir remplaçants. Donc c'était un peu compliqué. Et il a fallu, euh, d'une façon injuste pour la moitié de l'équipe, déterminer une hiérarchie et dire voilà, on va partir avec cette équipe-là. Vous, vous me démontrez que vous êtes bon, vous restez sur le terrain. Si vous n'êtes pas bon, vous changez. Et donc ça a apaisé un peu les solutions. Après aussi, c'était important de désigner des joueurs boosters, parce qu'il y a des joueurs qui sont très importants, qui peuvent partir du banc et qui sont capables, comme vous dites, de changer le, la physionomie de match. On le voit beaucoup au foot, au basket, au hand, mais au volet aussi. Et ces fameux joueurs boosters, il faut qu'ils acceptent leur situation. Parce que c'est souvent de très bons joueurs qui mériteraient de partir sur le terrain, mais qu'on garde en réserve, un peu comme la garde nationale pas revenir à l'Empire, mais les, 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 les meilleures armes étaient tenues en réserve pour déterminer le sort d'une bataille. C'est un peu pareil. Et il faut le faire accepter par les joueurs, et c'est assez important de l'établir relativement tôt. On ne peut pas jouer au basket, on ne peut pas jouer à 7. Euh, moi, j ai, j ai, je me rappelle de 2000, au Jeu de Sydney, une équipe, l'Australie, pour ne, ne pas la nommer, avait sept joueurs, mais vraiment extraordinaires. Donc, ils ont déroulé leur compétition. Seulement, quand ils sont arrivés en quart et en demi-finale, en demi il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Donc, on est, les entraîneurs sont confrontés au fait que c'est le dernier match qui est quand même le plus important. quoi. Donc, il faut en garder un peu sous la semelle, comme on pourrait dire, sans en même temps euh, se mettre en danger dernier Donc... Oui, non, mais là on fait pas des mathématiques. C'est génial qu'on risque notre peau sur chaque match. Hein. Oui, mais on va au bout de la compétition quand même. Après, ah... <laughs> après c'est plus compliqué. Oui, je, ouais, assis là non. sur ma chaise. Oh, Puis sur le terrain, c'est pas comme ça. Il y, a, il y a une chose qui est aussi très importante et ce que je pense que tous les sélectionneurs disent, en tout cas au foot, ils le disent. Ils disent souvent, dans les clubs c'est la même chose, ils disent souvent au début de saison, j'aurai besoin de tout le monde. Là, vous êtes 20, 22, 23, nous c'est 23, j'aurais besoin de tout le monde dans la compétition. Et si à un moment dans la compétition, vous ne mettez pas en accord entre ce que vous avez dit et ce que vous allez faire, là, il y a souci. Il se trouve que nous, on a gagné les deux premiers matchs de poule, et donc on était déjà qualifié. le troisième, c'était juste pour être premier ou deuxième, mais on était déjà qualifié. donc, si au troisième match, vous changez pas les joueurs, là vous avez un problème. et donc, il y a eu six changements de joueurs. et donc, ça a été en accord avec ce qu'avait dit didier pendant la préparation et ce qu'il a fait dans la présentation de, du troisième match. Bon, le troisième match, il n'a pas été très réussi, puisqu'il a terminé par un match nul et sans avoir très bien joué. mais, mais les joueurs ont participé. Et ça a servi aussi pour la suite. Et après, sont arrivés les matchs à élimination directe. Et quand vous avez des matchs à élimination directe, bah, vous mettez les meilleurs. Vous ne calculez oui, pas la finale. Bien sûr. Voilà. Oh, mettez les meilleurs. Ah, mais nous, on a eu la même chose pour les championnats d'Europe. On a été Dernier match de poule, on a été qualifié. J'ai pu faire un turnover qui a apporté. On a rebattu l'Italie. Et donc ça, c'est aussi l'intelligence de la gestion du groupe. Mais euh, j'ai un calcul très terre à terre. Match coup près, la meilleure équipe. Et je ne pense pas à comment je vais finir sur les rotules ou pas. C'est qu'on soit bien clair là-dessus. Oui, D'accord. Bon, cela dit, pour faire la sélection, on n'a pas que des amis. Pendant la... Ce qui est en amont de la, de la compétition, il y a la presse qui, qui peut. Euh, S'intercaler, s'infiltrer ou mettre le pied dans la porte. Il y a aussi l'apport plus ou moins important des fédérations, parce qu'il faut quand même mettre de l'argent sur la table pour faire une préparation. Et puis il y a le contre-jeu des clubs européens qui préfèrent aller au bout de leur compétition et nous déposer des joueurs blessés. Donc. Euh, Réussir demande de bien prendre en compte cet élément plutôt négatif. Et on peut même encore en citer un c'est l'environnement proche des joueurs, qui est loin d'être favorable à l'émergence d'une bonne performance. Je vais changer un peu mon tour de table sur ce, autour de ça. Voilà Moi, je suis assez pragmatique, assez simple. Je l'ai dit dès le début joueurs motivés pour rendre l'équipe oui. performante. Si le joueur il vient blessé parce que le club lui a dit que tu allais te blesser, comme ça tu ne tu joueras pas, et tu... bah, bah, reste à la maison. Hein. Même si j'en ai pas beaucoup, euh, je pense qu'on en parlera, au-delà de, je pense, de la performance. On, peut... on fait un métier où on ne peut pas se contenter de bien faire. On fait un métier, et les joueurs aussi, ils sont obligés de bien faire, mais de donner le suc ultrême de ce qu'ils ont dans le fond des tripes pour tous les matchs et tous les entraînements. Donc, pour gagner, pour moi, si on n'a pas ça, on a beau avoir les plus, les plus belles danseuses, on va dire, on n'y arrivera jamais. Et donc, moi, je me simplifie énormément la vie. Euh, tous les problèmes qu'il y a autour, c'est aux joueurs à les gérer. Tu es en équipe de France, on ne t'oblige pas à venir. Euh, on a la chance d'être en équipe de France. Et du coup, ça résout pas mal de problèmes. Même si j'ai un calendrier très chargé, euh, jusqu'à maintenant, les joueurs étaient vraiment euh, à 100% là-dessus. Et du coup, on peut mettre en place euh, une programmation, un plan, un, etc. etc. Juste, euh, et la fédération, elle, elle est bien partie prenante ah, de ben la fédération Oui, la fédération, elle nous doit tout. Enfin, on doit tout à la fédération, oui, puisque oui, oui. c'est elle. Mais en, on, on, a, on a un budget. On essaye de tirer au maximum de mon côté. Euh, mais après, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va obliger les, venis, les, les joueurs à, à faire venir il, faut, il y a une question de confiance qui se met en place, c'est un, un, un contrat tacite. Et il euh, faut s'investir pour arriver au meilleur résultat. Et ça part des joueurs. Didier. Ben c'est vrai que nous, euh, euh, l'équipe de France de handball, les joueurs, on, on a réussi à les fidéliser de par euh, peut-être les titres. Il y, a, il y a un beau passé, donc ils veulent tous faire partie de l'aventure et c'est plus nous qui devons les freiner ou parfois les rejeter <laughs> ou tout ce qu'il peut y avoir. Euh, on a entamé une démarche avec Philippe Bana il n'y a pas longtemps pour aller vers les clubs, parce que c'est s'associer pour performer. Euh, à l'annonce des listes, par exemple, aujourd'hui ben c'est récent, les clubs reçoivent la liste. Euh, des joueurs concernés avant que ça sorte dans la presse. Bien, bien sûr, ça reste confidentiel. C'est pour qu'ils puissent préparer leur com. Donc, c'est des choses comme ça. On voit aussi des joueurs arrivant en équipe de France un peu touchés et qu'on euh, qu préserve sur des périodes creuses, on va dire. Donc, les tournois amicaux, ils restent pour la cohésion de groupe. Euh, on fait autrement parce que ça nous permet de travailler d'autres chantiers et, euh, et donc en, en vue des de, 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 de compétitions. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Euh, par exemple, euh, demain, il y a un joueur qui va être sélectionné la liste elle va sortir demain. Un joueur qui a été blessé, qui n'a toujours pas joué. Pourtant, il est sélectionné. Parce qu'on espère qu'il récupère et sur la, sur la semaine du 26 au 30 pour, pour aller au Championnat d'Europe. Donc on arrive quand même à trouver des accords avec les clubs. Et il y a aussi un joueur qui est, qui est blessé aujourd'hui, qui s'est fait opérer à trois jours, qui peut-être ira au Championnat d'Europe, sachant qu'il y a aussi son remplaçant qui est là, mais que son plan, son plan, de, son plan de, on va dire, de carrière est bien établi, parce qu'il sait que son tour arrivera après les Jeux Olympiques si on est qualifié. Donc vous voyez, il y a toujours un discours en fait, de franchise quand on parlait de rivalité euh, par poste, où euh, je pense que le, les joueurs ont besoin de savoir vraiment le, leur fonction dans, dans un collectif. Sur la, sur la presse, parce que je pense que le football a vécu ça de multiples façons, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des effets fortement négatifs voire positif aussi. Oui. Et juste un mot encore, je pense que Didier Deschamps, il, on entend dire qu'il contrôle tout, il veut tout contrôler de ce qui sort du groupe et de ce qui va être dit ou pas à la presse. Je me trompe Il ne m'écoute pas là, non, non <laughs> euh, C'est vrai que c'est important. La, la presse, je me souviens quand j'ai commencé mes, mes stages d'entraîneur il y a, y a assez longtemps c'est Georges Boulogne, qui était le directeur technique national à l'époque, qui disait, à propos de la presse, il disait, et des journalistes, il disait, si tu ne les as pas avec, ne les ai pas contre. Et c'est exactement ça. Il faut, euh, en même temps, avoir un dialogue avec eux, mais en même temps, savoir que ce sont des journalistes qui doivent écrire chaque jour et qui doivent... Euh, vis à vis de leurs supérieurs, euh, sortir un scoop quand il faut, etc. Donc il faut être très vigilant. C'est vrai que Didier est très vigilant là dessus et il a eu beaucoup de recommandations, euh, il a donné beaucoup de recommandations aux joueurs pendant, le, pendant la Coupe du monde, en particulier sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est encore un autre, un autre volet, euh, en demandant d'être très attentif sur les réseaux sociaux de pas exprimer ce qui se passait dans le groupe, éventuellement individuellement, ils peuvent faire une photo, etc. Et encore pas n'importe quelle photo. Si, vous, si un joueur entre deux matchs se fait prendre une photo avec la piscine derrière, peut-être en maillot de bain, etc. C'est pas un bon message qui est adressé. Donc le message quand, quand ça, ça arrive en France ou ailleurs, c'est ils sont en train de se la couler douce et ils font rien, ils vont pas à l'entraînement. Alors que ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça que c'est compris. Et donc, euh, oui, ça, ça nécessite du, du contrôle. Euh, on ne peut pas tout contrôler non plus. Mais euh, il faut être très vigilant. Pascal Oui, bah, nous, la particularité du basket, c'est euh, par rapport à la NBA. C'est-à-dire que dans la préparation euh, pour les grandes compétitions, déjà, il faut savoir que des, des joueurs qui ne font pas les playoffs en NBA, peuvent arrêter leur saison fin mars, voire début avril. Donc quand le champion, la Coupe du Monde elle est fin août, vous imaginez qu'il faut réussir à dialoguer avec les joueurs, il faut faire en sorte que ces joueurs-là s'entretiennent, ce qu'ils font pour la plupart, mais, mais il y a déjà un gros travail et une grosse communication à faire avec ces joueurs-là, et surtout avec leur franchise, c'est-à-dire que les clubs là-bas aux États-Unis, ont un droit de regard, de regard très important et contrairement aux autres sports, ils ne dépendent pas de la fédération internationale. C'est-à-dire que ces joueurs-là considèrent qu'ils ont la priorité absolue sur leurs joueurs. Ça veut dire que nous, on doit être constamment euh, en communication avec les franchises et surtout bien s'entendre avec eux et gagner un climat de confiance, que ce soit au niveau du staff technique ou que ce soit au niveau du staff médical. En sachant que si un joueur, un petit bobo, un joueur NBA, il peut très bien prendre l'avion et aller se retrouver aux États-Unis et traverser l'outre-Atlantique en deux jours pour revenir après. Donc nous, on se doit, à travers notamment les joueurs NBA, et on en a pas mal en équipe de France, il y a cette problématique parce que on, 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 c'est pas comme, je crois que dans certains sports, si le joueur ne vient pas à une convocation. Il peut être sanctionné. Nous, c'est un peu plus complexe que ça, notamment par, par rapport aux joueurs NBA, par rapport aux reconductions de contrats. Et là, c'est un domaine qui nous concerne moins, nous, les techniciens. Mais après, il y a les problèmes d'assurance. Parce que les contrats sont tellement importants à NBA que pendant la période où ils n'ont pas de club, il faut bien qu'ils soient assurés si nous, on, on les entraîne pendant la préparation. Et il y a aussi une règle importante par rapport à la préparation. Si on a décrété pour les Jeux Olympiques, que les joueurs doivent venir deux mois avant et faire une, une préparation de 60 jours, il y a un règlement qui dit en NBA que les joueurs doivent venir tant de jours avant et pas avant. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas entraîner les joueurs même si on le, le souhaitait bien avant. Donc c'est des adaptations. Maintenant, la, la fédération a nommé Boris Diaud, qui est un ancien joueur NBA, Patrick Bisley. On a des gens qui s'occupent de, de gérer, on va dire, la politique et les relations. Entre les équipes NBA et l'équipe de France. Mais c'est une problématique supplémentaire. Quelques mots sur euh, la durée des préparations. cest dire que les calendriers sont de plus en plus euh, consistants, les calendriers dans les clubs. Hein. Et euh, par rapport à ça, les, les regroupements peuvent devenir, ça enfin, c'est peut-être pas le cas du volet, mais bon, peuvent devenir beaucoup plus courts. cest qu'il y a des approches de préparation. Euh, toutes proches de la compétition, qui deviennent presque un temps réduit, où finalement il euh, va falloir faire tout en mode accéléré. Donc il euh, ben, y a des veux... choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui dans certains sports. Hein. Mais je vais répondre parce que ça me concerne voilà. directement. C'est bien posé. Là, si on prend le, le championnat d'Europe, euh, on, on a une préparation du 26 au 30 décembre. Et le premier match amical est le 2 janvier, sachant qu'ils rentrent chez eux. Donc, euh, ils en arrivent le, euh, pardon, le 3. Le, le 3 janvier à Metz. Donc, on arrive le 2 en stage, on aura voyagé et on joue le lendemain. Donc, il faut déjà choisir un adversaire qui n'est pas, avec tout le respect que j'ai, qui n'est pas des plus grandes nations internationales pour que les joueurs ne se blessent pas. Pour autant, il faut bien terminer ta compétition deux jours plus tard, le 5, face au Danemark, qui est le champion du monde en titre. Donc, euh, il faut chercher toute cette. Euh, toute cette association pour pouvoir faire la, la meilleure préparation, sachant qu'on on commence le, le championnat d'Europe le 10. Donc, euh, c'est vous dire que ça, tout va très très vite. On n'a pas forcément le temps de les préparer. Nous, on va dire que c'est plus au fil des années et ces fameuses intégrations et les plans de jeu qu'on doit respecter pour pouvoir euh, euh, être dans, dans, dans la cohérence et du pragmatisme en permanence. Euh, et pas, pas on n'a pas forcément le temps de d'innover. Pour autant, il faut être précis, Et j'aime bien le mot pragmatique. Voilà. Dans la préparation de la compétition, il y a le, le choix des adversaires. Des fois, ce n'est pas toujours facile de trouver un adversaire. Non, ce n'est pas, pas facile. Puis, quelquefois, vous, vous avez reçu l'adversaire un an, deux ans, trois ans avant, et puis vous devez, vous devez aller chez lui. Puis, quelquefois, il ne veut pas l'adversaire. Je ne vais pas donner d'exemple, mais je crois que la Belgique ne veut pas nous recevoir, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, évident, mais bon, de manière générale, on, on arrive. Moi, ce que, ce que je constate, c'est que depuis, euh, donc on a, Didier a pris la responsabilité en 2012, il y a eu la Coupe du Monde 2014, euh, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Que, et là ça va être l'Euro 2020, le nombre de jours de préparation diminue. Ce n'est pas flagrant, mais il diminue. Il diminue pourquoi Parce que les championnats durent jusqu'à fin mai. Euh, anglais, nous, Les joueurs ils viennent principalement d'Angleterre, Espagne, Italie, euh, France et, et Allemagne. Et que la finale de l'Europa League et la finale de la Champions League ont toujours lieu dans les, le dernier jour ou dans les derniers jours de mai. Comme notre premier match, c'est le 16 juin, le 16 juin 2020 contre l'Allemagne, ce qui fait une préparation beaucoup plus courte. Et on sera obligé de commencer la préparation avant la finale de la Champions League. C'est-à-dire qu'on, j'espère, qu'on n'aura pas tous nos joueurs. Ça voudra dire que pour eux, ils sont en finale de la Champions League. Mais d'un autre côté, ça, ça pénalise des équipes nationales. Et juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on commence à avoir des petits soucis sur la disponibilité des joueurs par rapport à leur club, les clubs les clubs ont pris le dessus sur les équipes nationales. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait 100 mais il faut être très très vigilant là, là dessus et on a des joueurs, il y a des, quelquefois des désaccords entre les staffs médicaux du club et les staffs médicaux des équipes nationales, ils sont pas tout à fait d'accord sur quand un joueur est blessé, bon, il en a pour 10 jours. Et puis pour le médecin du club, ben non, finalement, il en a pour 3 semaines. Et donc, il rate le match international. Ça commence. Voilà. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Ouais, moi, je veux bien enchaîner aussi parce que j'ai des problèmes de calendrier. Euh, pour le volet, nous, on a commencé la saison au début mai. On a eu une Ligue mondiale. C'est 15 matchs, 3, par, 3 matchs par week-end, 5 week-ends, 5 continents. Euh, on a enchaîné sur une qualification olympique au mois d'août on a enchaîné sur un championnat d'Europe en septembre et on a les qualifications olympiques en janvier du 5 au 10 janvier. donc nous en fait on a une, un calendrier c'est très difficile de donner du temps de repos aux joueurs Les championnats se terminent exactement en fin mai aussi avec les Champions League et les championnats nous c'est ça revient surtout de Italie, Pologne, Russie, Turquie euh, voilà grosso modo Chine un peu et donc, on a des gros problèmes pour faire une vraie préparation, pour préserver le joueur, pour donner du repos au joueur, mais enchaîner les matchs qui comptent, à objectif, à enjeu. Et donc, on fait beaucoup de préparations adaptées en dentelle, on va dire. Mais euh, <coughs> il y a un enchaînement qui se fait et il y a une certaine lassitude. Et la saison internationale prend de plus en plus de place par rapport aux Ligues par rapport aux championnats de différents pays, et ça commence à grincer des dents, et on sent la pression des clubs et des ligues qui payent les joueurs, parce qu'ils viennent en équipe de France, ils ne sont pas payés, qui payent les joueurs en disant, hé, hey, tu es en équipe de France, tu es en équipe nationale, mais c'est nous qui te payons, tu pars cinq mois, et on, a, on commence à avoir ce genre de problème, parce que je pense que la Fédération internationale ne mesure pas euh, les problèmes de calendrier et de lassitude des joueurs. Oui, on, a, on peut peut-être, euh, avant d'entamer la deuxième phase de notre euh, table ronde, donner un peu le, oui, on va donner la, la parole au public à... sur vous ce avez... thème-là. Oui, vous avez l'opportunité. Je vous passe le micro. Ne bougez pas. Euh, oui, oui. Euh, bonjour. Jean-Jacques euh, en DES. Une question. Euh... Concernant la performance, tout à l'heure, on a parlé de manager de la performance euh, au travers de la réussite, mais moi je voudrais savoir comment vous managez éventuellement euh, l'échec et surtout comment rebondir après cet échec. Et puis j'ai une petite suggestion, si vous le permettez, mais très rapide. Euh, simplement dire euh, manager des équipes euh, masculines c'est une bonne chose, manager des équipes féminines c'est peut-être autre chose. C'est dommage qu'autour de la table ronde, il n'y ait pas euh, aussi cet aspect-là. Merci. J'ai managé une équipe de filles, je peux, je peux répondre <laughs> <Oui>. aussi. <laughs> non, non, euh, la performance, bah, en fait c'est vachement plus facile de rebondir après un échec qu'après un succès, euh, ça c'est clair. Euh, parce que j'ai bien aimé dans l'introduction, c'est vrai qu'on doit être performant, mais on, on s'inscrit dans la performance que si on s'inscrit dans le progrès, que si on s'inscrit dans le moyen ou long terme. Or nous, on a des métiers à court terme, mais malgré le court terme... Où il T'es bon, tu gagnes, ben tu restes, t'es pas bon, ben tu dégages. Il faut arriver à, avoir, à être suffisamment fort pour s'inscrire dans le moyen et long terme et dans la notion de progrès. Parce que cette notion de progrès, je la trouve très importante pour enlever le stress du staff et le, sta et le stress du joueur. Et il y a toujours de l'espoir. Pour moi, la performance, c'est garder l'espoir le plus longtemps possible. Et ça, c'est vrai au cours d'une carrière et c'est surtout vrai au cours d'un match. Combien de matchs on est mené et en persévérant et en gardant l'espoir, on arrive à retourner les situations. Donc c'est quelque chose qui doit se travailler au quotidien et ça, je pense que ça s'apprend et ça se travaille. Et pour moi, la performance, euh, c'est cette capacité à, à faire rebondir le joueur après un échec. Alors, pas l'échec définitif, hein, parce que quand on perd en demi-finale ou quand on perd sur la troisième place, est difficile de rebondir. Mais euh, c'est permanent cette notion de progrès et d'avancée. Ça, c'est ce, ce euh, growing mindset, c'est un, un, un sujet un peu anglo-saxon. Et c'est vraiment très important dans la performance. Ça enlève beaucoup de stress. Question Oui, bonjour. Euh, Frédéric Ferber, je m'occupe du pôle France euh, squash filles. Donc je vais rebondir un petit peu sur la question et pour le travail aussi avec les filles, mais aussi pour le travail individuel. Quand on sélectionne une équipe, par exemple Coupe Davis, Squash, etc., qui sont des sports individuels, est-ce qu'on traite la performance avec des individus qui vont former un collectif comme on traiterait un collectif Qui veut répondre <laughs> Qui se lance Là, euh, Oui, parce que le, la performance d'équipe, elle dépend de la performance individuelle. Donc euh, la performance d'équipe, on est obligé de parler aux individus, ce n'est pas une entité en soi, on est, on est sur la, la performance individuelle. Euh, j'aime bien penser euh, pareil, j'aime bien des, des images, mais euh, mon staff et les joueurs sont au service du joueur pendant les entraînements. Parce que le joueur, on doit le développer individuellement. Par contre, en compétition, le joueur et la disposition du staff et de l'équipe et ça je crois qu'on en a parlé il faut que ce soit bien clair tu en as parlé tout à l'heure avec le foot c'est évident et si un joueur commence à, à, à râler pendant la compétition il est hors sujet il est hors équipe comme moi si je râlais pendant un entraînement ou pendant la, la préparation ah ben non on n'a pas besoin de travailler ça non on verra ça demain je suis à la disposition des joueurs donc en fait même si la, la, la disp... Le sport collectif n'occulte pas le travail individuel, au contraire. Mais il y a une autre dimension derrière qui est aussi plus dans la gestion au quotidien et, et la gestion des objectifs collectifs. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Et je vais rebondir juste sur la question. Par exemple, quand vous avez des individus qui arriveraient dans un collectif à un événement, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc., et qui souhaitent venir avec leur staff personnel, et c'est déjà arrivé, qu'en pensez-vous Pascal, tu es bien placé ou... Oui, euh, c'est fréquent, notamment euh, par rapport aux, aux joueurs NBA. Donc, euh, ça nous est arrivé euh, l'été dernier où il y a eu une demande. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est que, à partir du moment où on est en équipe de France et qu'on a un objectif qui peut être la Coupe du Monde, il est clair que j'ai la faiblesse de croire que dans nos sports respectifs, on fait en sorte d'avoir des staffs compétents. Donc, il n'y a pas de place pour une personne extérieure ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas dialoguer avec cette personne ce qu'on fait d'ailleurs je pense que Vincent Collet euh, comme tous les autres sélectionneurs fait pas mal d'échanges avec les coachs avec les euh, pendant la saison pour savoir comment est le joueur comment il se comporte mais ça me paraît euh, pas possible de rajouter euh, du staff de l'extérieur par rapport au staff mis en place et je pense que là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure l'unité ou la cacophonie euh, tout ça à partir de ce moment-là c'est pas possible donc, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de place pour des, des gens de l'extérieur. Vous voulez compléter Oui, juste, juste pour dire que ça nous est arrivé également qu'il y ait des demandes pour faire venir un, un accompagnateur ou un, un fasciathérapeute ou euh, notre, euh, notre métier. Et voilà, la réponse a été non. Et le joueur n'est pas venu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je voulais rebondir tout à l'heure sur, le, sur le, le volet individuel, le travail individuel c'est un, un autre volet peut-être mais euh, on, on fait nous en début de rassemblement pour que les joueurs récupèrent au maximum de leur saison où ils viennent de faire 50 ou 60 matchs. Il y a des tests qui sont effectués, des tests de terrain, tests aérobie et tests musculaires et à partir de là on détecte le, le niveau de fatigue, et il y a un travail individuel qui est fait pendant quelques jours pour essayer de le réoxygéner, pour le, le remettre dans le droit chemin, si je puis dire. Et donc, il y a ce, ce travail individuel qui est aussi important avant qu'il commence le travail de groupe et qu'il fasse éventuellement même le dernier match amical qui précède la compétition et, et qui soit apte pour la, pour la compétition. Juste terminer, juste le. Très rapide, peut-être c'est... Euh, moi j'ai mon préparateur physique qui se met en relation avec les autres préparateurs physiques sur, le de, sur la demande des joueurs. Et ça, le pauvre Olivier Moyli, il doit, il doit jongler un peu, mais on garde l'axe de travail quand même. Par contre, je vais soulever un problème que j'ai actuellement, qui euh, je ne sais pas si vous, vous êtes bien en avance sur moi. Euh, j'ai des agents qui commencent à demander des, des, des changements de poste. Ou euh, des gestes techniques différents à faire travailler sur les joueurs. Et là, ça devient embêtant quand les agents des joueurs commencent à venir euh, interférer euh, techniquement. Ça, c'était juste pour la. Nous, on a en général des demandes de préparateurs physiques. Non, ce sont des démarches personnelles donc, qui sont autour, mais qui sont des préparateurs physiques de clubs qui veulent connaître les techniques de l'équipe de France. On peut les accueillir parfois, je pense que ça doit arriver aussi chez vous. On les accueille dans le, dans, dans le staff, mais aucunement euh, quelqu'un qui vient avec son préparateur physique. Et puis les agents, ouais, c'est vrai qu'ils commencent vraiment à saouler. Il euh, y a un agent qui s'est même permis d'appeler euh, notre responsable com pour dire que son joueur n'avait pas célébré la cinquantième de son joueur. Comment se fait-il Donc on lui a bien expliqué que c'est pas lui qui décidait et que le timing interne c'est nous qui l'avions. Mais donc et ça va même plus loin. Hein, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Euh, bonjour à tous. Euh, J'avais une question par rapport à, à la création du groupe. Comment est-ce que vous gérez euh, finalement la pression médiatique et celle de l'opinion publique euh, lorsque vous sélectionnez les joueurs Je réponds parce que en ce moment on, on c'est ma période, donc, la sélection va tomber. Bah, on gère, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, donc euh, à la sortie de la liste, je pense qu'il doit y avoir soit un million de, de coachs. Donc, tout le monde, il euh, y a du lobbying des agents, bien sûr, pour euh, que leurs joueurs soient sélectionnés. Je pense que de toute façon, quand il y a une ligne de conduite, vous savez que si on perd, euh, ce n'est pas les agents qui vont prendre les responsabilités et c'est vous qui allez assumer forcément euh, vos choix et vos décisions. Donc, moi, j'ai pour habitude de respecter mes convictions et je pense qu'un entraîneur doit respecter ses convictions et mourir avec ses idées. Parce que, euh, on est là pour ça, on sait ce que c'est que la compétition, et puis on a un plan sur la comète, et parfois ça paye. Forcément, si la même personne qui vous a critiqué, c'est celle qui va vous dire que c'est très bien à hein, l'arrivée. Ah oui, j'y croyais pas, mais finalement, tu as eu raison. C'est bah, facile, facile t es caché, personne ne te connaît. Donc euh, on est critiquable, et de toute façon, on a un, on a un métier public, et donc c'est aussi les, les enjeux de ce métier, et on l'accepte. Voilà, pour respecter notre timing, une dernière question si, bonjour à tous. Moi, je voulais savoir si vous échangez entre vous, si bien que vos disciplines soient différentes, bah, vous pouviez vous faire des progrès en vous, en vous donnant les tuyaux dans les préparations, tout ce, que, tout ce que vous avez eu de bien ou de pas bien, d'ailleurs. C'est vrai que c'est euh, pas tellement, même pas du tout. C'est très rare. On a chacun nos calendriers, je pense, très chargés. Et c'est vrai que les équipes de France sont en stage pratiquement tout le temps au même moment. Euh, donc c'est un peu compliqué. Moi, à mon niveau, je profite pour aller voir d'autres coachs euh, de volleyball, d'équipe nationale ou de club et de tourner beaucoup. Parce que j'aime bien être confronté aux mêmes problèmes euh, techniques, tactiques et voir ce qui se fait un petit peu la petite différence. Entre nous, on a rarement l'occasion et c'est peut-être dommage. Je pense qu'effectivement, on n'a pas trop le temps, mais ça ne nous empêche pas d'observer euh, les compétitions des uns et des autres et de voir les difficultés ou bien sûr, euh, en cas de réussite, les, les leviers pour lesquels euh, nos, nos collègues ont gagné. Donc, euh, on ne se voit pas trop, mais bien évidemment, je pense que ça fait partie de notre travail d'observer surtout les autres sports collectifs et de voir même des fois euh, tactiquement, il y a des choses, moi je me suis déjà vu reprendre des idées de... Hand, volet ou foot, parce que je trouvais qu'il y avait une dynamique collective qui pouvait se mettre en place. Donc on n'échange pas, mais on se doit de regarder les grandes compétitions internationales des uns et des autres. Ça me paraît essentiel. Voilà, je vous remercie pour cette première partie. Je pense qu'on peut applaudir le, les intervenants. Je, je vous invite, petite pause. Donc vous pouvez aller vous restaurer, vous avez de quoi boire, café et boisson. Et on se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine thématique. Merci à vous. Les derniers vont s'installer. Nous avons ici Monsieur Gérard Bosque. Je pense qu'on peut aussi applaudir. Je ne sais pas ceux qui connaissent le basket, mais un grand honneur d'être venu ici. Oui, juste une précision parce que pendant la pause. Elle m'a été posée plusieurs fois. Il n'y a pas de femmes ici présentes pour représenter leur sport au féminin. Mais rassurez-vous, on, on prévoit une table ronde un peu du même ordre, qui soit uniquement réservée au sport collectif féminin. Le 12 mai. Voilà. Donc on ne puisse pas faire circuler de fausses informations sur nos, comment dire, nos, nos oublis. Voilà. Sur le, la deuxième phase de cette, euh, ce regroupement, il est considéré à ce qui va se passer, on va dire, pendant, pendant la compétition, autour de la compétition. Alors je pense qu'il faut différencier le tour préliminaire du tour final. Donc quand vous, vous aurez à intervenir, précisez bien. Et si on est déjà qualifié ou pas. Parce que ça peut arriver qu'on soit déjà... Quasiment qualifié euh, en fonction du passé, qu on, qu on a produit, passé sportif produit. Donc, on, quand on est qualifié, ou qu'on va être qualifié, assurément, on peut prendre beaucoup plus de risques, on peut imaginer d'ouvrir des, des nouvelles possibilités, et ce n'est pas possible quand on est dans un tour de qualification où il faut vraiment passer. Donc, voilà. Le, donc, sur le, la compétition, tour préliminaire, tour final, vous pouvez intervenir comme vous voulez, bien sûr, et en précisant aussi, dans la compétition, il y a aussi des entraînements. Comment vous utilisez ce panachage au mieux, on va dire Voilà. Ben C'est compliqué. C'est compliqué, après, ça dépend. Euh, si je prends la dernière compétition. Il euh, y a eu un problème, quelques petits problèmes de blessure avec l'intégration d'un joueur cadre en pleine compétition, où le groupe avait déjà évolué. Et, euh, et paradoxalement, ça s'est très bien passé. On s'est qualifié euh, deux matchs avant, je crois. Et, et donc, du coup, on lâche du lest avec une équipe jeune, qui n'est pas stable, comme a pu l'être par le passé les experts. Et donc là, on a eu euh, quatre jours sans... Sans grosse rivalité, ce qui fait que tu arrives à prendre demi-finale et tu n'es peut peut-être pas sur la même longueur d'onde que les autres qui se sont battus pour arracher cette fameuse qualification en demi-finale, ce qui peut te poser problème. Donc, calculer, oui, avec une équipe experte ou comme ça a pu être le cas avec Lolo Nesta, avec des joueurs qui, même quand ils étaient en difficulté ou en méforme, arrivaient à faire la différence parce que c'était des joueurs exceptionnels. Euh, pour autant, aujourd'hui, on n'arrive plus à reproduire les mêmes schémas puisque tout le monde à de bonnes préparations physiques tout le monde, les préparateurs physiques sont vraiment euh, euh, sur la même longueur d'onde et on ne peut pas dire qu'on, euh, contrairement à l'époque où nous, nous avions un peu d'avance puisqu'on avait euh, Alain Quintalet qui était le préparateur physique de l'équipe de France et on disait qu'on joue entre vous, on a l'impression d'avoir un mur en face de nous ouais, on a un mur parce qu'on on avait quand même notre préparateur physique, on avait aussi le luxe et la fédération qui mettait les moyens pour qu'on puisse avancer plus sereinement etc. Mais aujourd'hui non, tout le monde a un préparateur physique et donc euh, il faut essayer d'asseoir, faire la différence entre je lâche du lest, euh, je fais se reposer les gens et euh, je dois quand même gagner. Donc euh, même moi, je n'ai pas la réponse, hein, parce qu'on a quand même pris 10 buts, euh, limite, face aux Danois en demi-finale. Mais, mais pour autant, on a limité la casse et on a su être euh, médaille de bronze, euh, parce qu'on sait que cette fameuse médaille de bronze, elle est plus psychologique, et c'est l'équipe qui est la plus fraîche là, psychologiquement et qui arrive à se surpasser pour couronner sa compétition qui l'emporte. Je vais passer la parole à Pascal, mais avant, juste un mot. Les Espagnols mettent un peu la pagaille dans les, dans les grandes compétitions parce qu'ils ont coût, coutume de dire que pour eux, le, le tour de qualification, ce n'est pas un problème, et que la vraie compétition pour eux, elle commence avec les matchs éliminatoires. Ce qui fait qu'il fausse la compétition, sans le dire, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas forcément envie de les jouer, qui essayent de bien se classer pour ne pas avoir à les jouer, et qui, au bout du bout, se retrouvent à les jouer dans un quart de finale coup près. Donc, euh, vas-y. Pour, pour, pour continuer, parce qu'après, ça va passer, il euh, ne faut pas confondre non plus euh, les compétitions. Donc, nous, maintenant, on a, on a une, une compétition où on additionne un point. Donc on a enlevé les administrations directes, ce qu'on avait remis au Mondial 2017. Et on est sur, euh, avec des points, ce qui veut dire que tu peux plus calculer. Ils avaient fait ça par rapport aux Russes et aux Suédois. À l'époque, ils, ils arrivaient même à chambrer tout le monde en disant « on se voit en demi-finale ». Maintenant, si tu perds un point, ça peut te coûter très cher à l'arrivée. On a même vu des équipes passer au tour préliminaire avec zéro point, comme le Danemark en 2012, et être champion d'Europe. Donc on ne peut plus calculer. Donc tu passes de cette formule. Et par contre, on a payé le prix fort, on va dire, à Athènes, où on a fini premier du groupe et on s'est fait éliminer par une équipe de vieux Russes euh, en quart de finale, et on s'est fait, on a vraiment été ridicule. Donc attention. Donc, on peut terminer quatrième aux Jeux Olympiques ou premier comme les Croates qui nous ont gagné euh, à Rio et se faire éliminer par le quatrième et du coup. Euh, voilà, donc il faut, faut, faut vraiment faire attention à tout ça. Quoi. Donc Les contextes de compétition sont complètement différents. Donc lâcher du lest, mais à quel prix Je crois que déjà il y a plein de paramètres. Le premier paramètre, c'est le tirage au sort. C'est qu'en fonction des poules, en fonction du système de qualification, si on rencontre, si on est dans une poule avec des fortes équipes, il faut déjà se qualifier. On parle de tour préliminaire au tour final, et là je rejoindrai Laurent, il faut être très pragmatique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est avant tout de ne pas rentrer à la maison trop tôt. Donc en fonction déjà du tirage au sort, je pense qu'il y a une adaptation à faire. Déjà une petite parenthèse par rapport à la préparation. Quand on fait genre les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques, il y a des caractéristiques très différentes dans les continents de style de jeu. Je parle au niveau du basket. Et c'est toujours bien de pouvoir rencontrer des adversaires qui correspondent un peu à cette problématique. Donc regardez un peu à partir du tirage au sort quel adversaire on peut jouer en préparation qui se rapprocherait le plus des équipes du tour préliminaire. Ça c'était une petite aparté. Et après, bien évidemment, donc par rapport au tirage au sort, si on est dans un groupe accessible avec un système de qualification qui fait qu'on a une petite marge, on peut instaurer un, un turnover et, et être un peu moins prudent sur le, le fait de reposer les cadres. Il y a des situations où, dans des groupes, on est obligé de jouer tous les matchs à fond et on n'est même pas sûr de se qualifier. Après, on sait que dans ces compétitions-là, le match clé qui détermine tout, enfin, nous, en ce qui nous concerne au niveau du basket, c'est les quarts de finale. C'est-à-dire qu'à part quel que soit, il faut bien calculer. Quand je dis bien calculer, nous mettons, on a une problématique, c'est les États-Unis, même si on les a battus là, à la dernière Coupe du Monde. Il y a des, quand ils sont au complet, ils sont injouables. Donc il n'y a pas de calcul à faire. Il faut essayer d'éviter les grosses équipes en quart de finale. Donc nous, on ne fait pas trop de calcul par rapport à ça. On essaie de se finir, de finir à la meilleure place possible. Pourquoi, comme, comme tu l'as souligné, c'est que même nous, c'est ce qui nous est arrivé à la Coupe du Monde, on ne crache pas sur une médaille de bronze comme ça s'est passé là. Et c'est quand même, ça reste une belle réussite quand on arrive à obtenir une médaille et monter sur le podium. Donc le, le match charnière, c'est le quart de finale. Donc il faut arriver dans les meilleures conditions. Entre l'adversaire qui nous paraît le mieux et dans la meilleure forme physique pour aborder ces quarts de finale avec les meilleures chances de, de réussir. Et nous, par rapport à la petite problématique de la compétition, on en a parlé ce midi. Pour l'instant, au basket, il n'y a pas de possibilité de changer de joueur pendant dès que la compétition a commencé. C'est-à-dire qu'on est les 12 et on reste les 12 quoi qu'il arrive. J'ai vu qu'au rugby ils pouvaient, ou en y peuvent, euh, nous on ne peut pas. Donc, il faut bien, bien gérer justement les 12 joueurs qui ont débuté la compétition. Au football, vous jouez tous les matchs le mieux possible. Et peu de sous-questions, juste un, un mot ben Là, on a eu un tirage un petit peu difficile quand même. Je, je disais en rigolant je, si le Brésil avait été une nation européenne, je pense qu'il serait tombé dans notre groupe. Hein. Non, c'est vrai que ça va être un peu spécial parce que jouer l'Allemagne, en plus chez eux, à Munich, et le Portugal. Bon, c'est un groupe que, qui n'a jamais existé. C'est à la fois le dernier champion d'Europe en date, le Portugal, dernier vainqueur de la Coupe du Monde, la France, et la Coupe du Monde précédente, l'Allemagne. Et il y a une quatrième nation qui n'est pas encore connue, que l'on connaîtra le 31 mars. C'est inédit, c'est un peu complexe comme tirage au sort, mais c'est comme ça. Et une fois qu'on a dit ça, il bah, faut se préparer. Et évidemment, il faut être prêt beaucoup plus vite à la Coupe du Monde, on avait joué l'Australie, le Pérou et le Danemark, qui ne sont pas des, des nations majeures, même si ce sont des bonnes nations. Là, on tombe tout de suite sur, sur du lourd. Mais euh, je voudrais rebondir, je, pendant que j'y pense, comment gérer sur la durée la compétition il y a, il y a, Pour nous, en tout cas, il y, a, il y a un point qui est très très important et qui n'a pas trait au, à la préparation, ni à la préparation physique, ni technique, ni tactique, ni mentale. C'est le choix du camp de base le choix de l'hôtel. Pour nous, c'est très important. Quand on est en France, il n'y a pas de problème. On est à Clairefontaine, on a tout ce qu'il faut. On a les terrains, on a, on a tout ce qu'il faut, la nourriture qu'il faut. Vraiment, la fédération a fait ce qu'il fallait pour que Clairefontaine soit vraiment un, un super lieu de préparation. Mais quand on est à l'étranger, comme ça a été le cas en Russie, euh, on a des camps de base qui sont attribués par la FIFA et on a le droit de choisir. Et comme on s'est qualifié plus... Tôt, eh bien, on a pu choisir et il euh, y avait un cahier des charges fait par euh, Didier qui était important à savoir que ce soit un, un hôtel euh, confortable, sans, sans être luxueux, mais surtout qu'il puisse être privatisé. Alors qu'on est une cinquantaine de personnes 23 joueurs, 20 staff, et puis 2 euh, trois dirigeants, et voilà, ça fait une cinquantaine de personnes qui vont vivre ensemble et euh, que les, les chambres soient personnalisées, qu'on ait la possibilité de monter une, une salle de musculation, etc. Donc la, la fédération met, euh, met les moyens pour qu'on soit dans les meilleures conditions, il faut que les joueurs soient dans les meilleures conditions, qu'on puisse, qu puisse avoir une demande après, qu'on puisse être exigeant aussi euh, avec eux. Et euh, ça a tellement bien réussi que lorsqu'on partait faire nos matchs et qu'on revenait à notre camp de base, tous les, les joueurs disaient assez bien on rentre chez nous là. donc ils s'étaient approprié les lieux et je pense que ça aussi en dehors de, de, de leur talent en dehors de, de, des matchs en dehors de la préparation en dehors des entraînements ça a été un, un facteur qui a permis la performance quoi. je vais te donner la parole bah, sur euh, oui, oui, le même sujet nous on choisit pas l'hôtel on a toutes les équipes dans le même hôtel on essaye de pas se rencontrer dans les couloirs non non euh, non, pour ce qui est de gérer une, une compétition sur la durée, euh, avant chaque compétition, je, on fait une réunion avec les joueurs et on explique euh, la poule, les adversaires, les qualités des adversaires, qu -ce qu on, va, on essaye d'anticiper la difficulté du, du tournoi, quelle position il vaudrait mieux qu'on ait pour éviter les gros euh, adversaires en huitième ou en quart. Et je trouve ça intéressant de voir les, les joueurs se projeter sur la compétition, parce que tant qu'ils ne sont pas projetés, on n'a pas commencé la compétition. Et ça permet de mieux anticiper la durée de la compétition. Et après, une fois qu'on a euh, commencé la compétition, eh ben, il faut que notre préparateur physique il trouve une salle de, pour aller faire la, 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 du physique pas trop loin de l'hôtel. On est obligé de se trouver des, des salles d'entraînement, de repli, parce qu'il faut qu'on qu garde du rythme. Hein, parce que le rythme du... Je suis désolé, mais je vais me faire un peu lyncher, mais on est obligé de garder l'agressivité dans la compétition. Et si on lâche cette agressivité, on passe à la trappe. Donc on est obligé de l'entretenir par les matchs, par les adversaires, par les entraînements, parce qu'on a des entraînements, c'est des compétitions qui durent 15 jours, 3 semaines, et après, c'est du travail individuel, technique ou tactique ou physique. Après, ce qu'il y a aussi, c'est l'étude de l'adversaire. On parlait de vidéo, de scouting tout à l'heure. Euh, début de l'équipe de France, on était vraiment tellement focalisé sur l'adversaire qu'on oubliait de, de regarder son équipe. Et à la fin, c'est son équipe qu'on peut mieux modifier, contrôler. Et donc, j'ai essayé d'avoir un meilleur, une, une meilleure euh, balance entre l'étude de l'adversaire et sa propre étude pour pouvoir rebondir, growing mindset travailler et progresser pendant la compétition. Ce qui est important, c'est de pouvoir progresser aussi pendant la compétition. Et ça permet d'aborder au mieux les, les, la durée de cette compétition. Voilà, ce qu'on essaye de faire. Par contre, après, on a des problèmes pour... On ne peut pas gérer, contrôler la nourriture, on ne peut pas contrôler les réseaux sociaux, on ne peut pas contrôler les fans qui tournent autour de, de, de l'hôtel, on ne peut pas contrôler tout ça, c'est un peu plus compliqué à gérer pour nous au, au volet. Je voudrais revenir un petit peu sur le management dans la compétition et les entraînements les reliquats d'entraînement qui peuvent rester. Tout à l'heure tu as dit il faut à l'entraînement que le staff aille vers les joueurs et dans les matchs, la problématique est renversée. Vous partagez ce point de vue ou avez vous des choses à nous dire pour compléter ou nuancer? Je pense qu'il faut d'abord un projet commun avec les joueurs, c'est-à-dire bien se fixer l'objectif qui est d'aller le plus loin possible en général, de gagner en un mot. Il faut bien identifier les leaders et les leaders comme ça s'est passé à la Coupe du Monde qui peuvent apparaître et qui n'étaient pas forcément, je pense à Pogba par exemple. Qui n'était pas un leader avant la Coupe du Monde et qui l'a été à la Coupe du Monde avec d'autres, avec Matuidi, avec euh, Lloris. Ça, c'est des leaders plutôt oraux et des leaders techniques comme euh, Griezmann. Voilà, il faut euh, bien les identifier et euh, je pense que le sélectionneur doit avoir un, un rapport et c'est ce qui s'est passé, un, un rapport privilégié avec eux pour faire passer ses messages. Ça, ça me semble très important et ça a été fait. Euh, faut il faut qu'il y ait des échanges en permanence avec le groupe aussi. Il euh, y a des échanges euh, qui peuvent être individuels ou des échanges collectifs. Euh, individuels avec euh, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Il ne faut pas les perdre, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est très important. Voilà, il y a tout un tas de, de méthodes, je pourrais en dire un petit peu plus, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Pascal, tu vas nous parler un petit peu de la relation entre Vincent et Tony je ne vais pas t'en parler beaucoup parce que je n'étais pas encore en équipe de ah, France. Excusez-moi. Non, mais d'ailleurs, ça a été une transition pas facile dans la mesure où ils avaient une, une réelle complicité. Déjà, la première chose, même si j'étais un peu à l'extérieur, contrairement à ce qui peut se dire, Vincent était réellement le coach et Tony était réellement le joueur, parce que quand il y a eu des, souvent quand dans les équipes il y a un grand joueur, que ça soit au basket ou dans d'autres sports. C'est facile de dire que c'est le joueur qui fait tout et qui décide de tout. Je peux vous dire qu'en équipe de France, ça ne se passait pas comme ça. Donc la relation qu'ils ont eue a été forcément bonne. Je pense que Vincent Collet avait cette faculté à laisser la parole à Tony quand, en tant que leader. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il fallait qu'il qu intervienne. Et on sait qu'il y a une mi-temps mythique contre l'Espagne où il a pris la parole et où ils étaient malmenés et ils ont gagné. Mais pour rebondir sur la transition, quand on a. Perdu Tony Parker, bien sûr, ça a été un grand vide. Et les aspects médiatiques, comme ça peut se passer dans beaucoup de sports, on nous a demandé euh, qui va être le leader maintenant. Et à ce moment-là, il n'y avait pas un leader désigné. Il y avait plusieurs joueurs qui pouvaient occuper un rôle différent. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être un leader technique, en l'occurrence des garçons comme Nando De Colo. Ça peut être un, un leader euh, plus dans, le, dans les vestiaires, capable de motiver les joueurs. Donc euh, on a dû organiser cette transition qui a été un peu plus difficile en 2017 et que Vincent a réussi à, à réaliser en 2019. Mais il est clair que, pour rebondir ce que disait Guy, je pense qu'il ne faut surtout pas perdre le contact pendant toute la compétition avec les joueurs. Ça peut être des petites phrases de une ou deux minutes faire en sorte que des, des petites mises au point. Nous, on a perdu contre l'Australie un match de poule et on espérait un adversaire qu'on n'a pas eu puisqu'on a perdu. donc c'est remobiliser tout le monde le plus gros travail. Bon moi j'ai pas beaucoup de compétition internationale mais ce que tu disais, je pense que le, la clé, nous on a perdu une demi-finale contre l'Argentine où après avoir battu les États-Unis, on était presque favori de cette demi-finale. Donc là tu prends une grande, grande, grande claque et là il faut remobiliser tout le monde. Il y a des joueurs qui sont extrêmement déçus. Il y a des joueurs qui considèrent qu'aller chercher la médaille de bronze, c'est déjà bien. On avait un garçon comme Evan Fournier, et moi je considère que ce qu'il a fait, c'est bien. C'est un tel compétiteur que lui il considérait qu'après la demi-finale, il avait fini sa compétition. Malgré tout, il a, lui, réussi, et nous on a essayé de l'aider, à trouver les ressources pour gagner la troisième place contre l'Australie. Donc il y a toujours des petits ajustements pour aller chercher pourquoi on est venu, même si... Dans un coin de sa tête, c'était le titre mondial et qu'on a fini finalement par obtenir une médaille de bronze. Donc ne jamais rompre le dialogue avec tout le monde en cas de défaite ou en cas de victoire, bien sûr, pour pas qu'il s'enflamme et qu'il qu qu baisse la garde pour le match suivant. Après, dans la logistique, parce qu'on a beaucoup parlé de logistique, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Nous, on n'est pas malheureux en ce qui concerne le basket au niveau des structures et des hôtels. Nous, ce qu'on a juste regretté sur la compétition en Chine, au-delà du fait que les salles étaient extrêmement vides, et ça, ça a été un problème, c'est que sur la demi-finale, les, les Argentins ont joué un jour avant nous avec un déplacement beaucoup plus court. Nous, on a joué deux jours avant la demi-finale contre les États-Unis. On a voyagé la veille du match toute la journée. Je trouve que pour de telles compétitions, quand on est arrivé à une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas possible. Donc, euh, ça a été notre grand regret, même si, bien évidemment, c'est avant tout ce qui se passe sur le terrain. Et contre l'Argentine, on n'a pas forcément été très bon. Mais je trouve qu'on ne peut pas se permettre d'avoir peu d'équité comme ça euh, lors de rendez-vous aussi importants. Sur manager les joueurs euh, à l'entraînement pendant la compétition, je voudrais revenir à ce qu'a qu dit Laurent tout à l'heure aller, aller vers les joueurs, au service des joueurs, répondre à leurs attentes. Alors, plus à leur motivation qu'à leurs besoins proprement dits euh, techniques. Hein Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus Je continue par rapport à ce qu'ils ont dit euh, juste avant. Euh, moi, j'ai un problème, euh, j'ai certains problèmes. Moi, ce que je prône en permanence, c'est la, la proximité avec le collectif. Mais proximité, c'est-à-dire que tu alertes en permanence des, peut -être, peut -être des dysfonctionnements, certaines choses, et certaines même au niveau technique en discutant avec eux. Pour piocher des choses qui t'intéressent. Euh, J'ai un problème aussi avec un poste où il y a un joueur qui, est, qui joue. Dans, ils forcément tous dans de grands clubs, mais il y a un qui est peut-être plus favorisé au secteur défensif, parce que c'est en défense qu'on gagne les matchs. Et il y a un qui ne comprend pas forcément pourquoi il ne joue pas, donc, parce que forcément ils veulent tous jouer. Et un jour, je le vois dans un coin avec les deux pieds au mur et je sais qu'il boude. Non, forcément, donc forcément, c'est à moi d'aller vers lui. Et je, à ce moment-là, je lui dis eh, Qu'est-ce qui t'arrive Tu boudes Non, 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 je ne boude pas. Il dit Oui, tu boudes. Tu boudes et je te dis pourquoi tu boudes Parce que tu ne joues pas, parce que ça, 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 ça. Il dit Mais c'est pas que tu n'es pas bon. C'est que le contexte et la configuration de l'équipe à ce moment-là fait que tu ne joues pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon. C'est que moi, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça à ce moment-là. Et toi, tu es fâché par rapport à ce, au contexte. Il me dit Et là, à ce moment-là, il me dit Il a quand même du recul, il me dit. C'est vrai, tu as raison, mais ça, ça fait plaisir de l'entendre. Ça veut dire que je comprends son mal. Paradoxalement, j'ai un autre joueur qui est arrière en club, mais en équipe de France, il est à l'aile. Et donc forcément, c'est pas son poste de prédilection, mais pour autant, il a fait une très belle compétition en 2015 à l'aile. Et aujourd'hui, il refuse presque, parce qu'en club, il joue carrière. Mais pour moi, je ne peux pas me permettre de mettre un autre à l'aile, que j'ai besoin de lui à l'aile. Et donc, à chaque fois, il a un problème à démarrer les compétitions. Et donc, je le mets dans un certain confort pour lui dire, j'ai besoin de toi. Et il a fallu mettre un statut entre les deux. Donc aujourd'hui, comme j'ai eu un conflit avec un titulaire ou un cadre, comme vous voulez, j'ai dit, aujourd'hui, c'est le meilleur qui jouera. Parce que toi, tu as bouffé ton Joker. Et toi, de toute façon, tu sais que c'est ouvert. Et ils le savent parce que je me suis expliqué avec les deux. Donc ça va beaucoup plus loin. Et de toute façon, quand on parle d'égo dimensionné, c'est qu'à un moment donné, les joueurs veulent que l'entraîneur statue sur tout ce qu'il y a dans le collectif, parce qu'eux, ils savent qu'il y a un malaise, et ils arrivent à mettre le doigt partout où il y a le malaise. Et ils savent, ils attendent juste que l'entraîneur le dise. Mais ils savent ce qui se passe, il ne faut pas croire qu'ils ne savent pas, ils savent tous ce qui se passe. Et donc, moi, ce que je sais, peut-être l'avantage peut que j'ai, c'est d'avoir été celui qui critiquait l'entraîneur avant, j'ai bien critiqué tous les entraîneurs parce qu'on pense tous qu'à nous. Donc, on dit, ouais, je ne hein, vous dis pas ce qu'on dit, on dit tout. <laughs> Et donc, les, quelque part, j'ai quand même cette espèce de recul euh, pour avoir euh, mon autocritique. Voilà. Des remarques, juste, juste une remarque sur vos deux interventions. Dans un cas, euh, le groupe est une ressource pour le joueur. Par exemple, les vannes, c'est le groupe qui le remet en piste. Et dans l'autre cas, c'est un joueur. Qui sans le savoir est une ressource pour le groupe. Donc ça marche dans les deux sens. Donc euh, je vais donner la parole parce que j'étais un peu interrompu. Tu, tu souhaites c est, c est, ou pas euh, Oui, je sais pas. pas, pas obligé, hein. <laughs> non mais c'est sûr que c'est l'avantage d'être dans un groupe, c'est que les émotions ou les, la confiance, elle est exponentielle dans un sens ou dans l'autre sens. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les interactions, garder les interactions. Et voir que le groupe est plus solide que l'individualité, ça c'est clair. C'est ce qui fait aussi le charme et parfois les difficultés du, du travail en groupe. Mais euh, <coughs> et d'ailleurs ça va très vite. Ça va très vite dans un sens ou dans l'autre, euh, collectivement et individuellement. La confiance, euh, le, les bouderies. Ou <laughs> ou J'aime ai, bien penser que je, en tant que coach, je suis un sculpteur d'eau. Quand tout va bien, de l'eau, je peux en faire une belle statue. Sauf que c'est de l'eau. Et qu'à n'importe quel moment, ça part. Donc il faut faire attention à ce qu'on se dit. Comment on le dit Quand on le dit euh, Quelle attitude j'avais à ce moment-là Est-ce que je lui avais interdit de fumer ou, bu ou boire euh, Quel message Il faut être attentif à tout ça. Et quand je, voulais... Et quand je disais que, à la dis... que le staff était à la disposition des joueurs, c'est parce qu'on a des, des joueurs qu'on intègre dans un système d'équipe l'équipe de France. Mais lui, il a peut-être d'autres motivations parce qu'il sait qu'en club, il va jouer sur d'avant, il va jouer en défense peut-être. Et donc je veux que dans les périodes d'entraînement, il ait la possibilité de travailler ce qu'il veut aussi travailler en plus de ce que je lui propose. C'est là où je, demande, où je dis que je suis à la disponibilité de l'individu parce qu'au moins il a l'impression Enfin en tout cas, pas l'impression, on fait tout pour qu'il progresse et physiquement et techniquement, même s'il est dans une autre structure. C'est là où il... Par contre, en match, oui, il doit être au service comme un bon soldat. Sinon, ce n'est pas bon. Les demandes des joueurs, elles peuvent être pas très rationnelles. Je vois par exemple il y a un joueur en équipe de France de basket qui, à chaque regroupement, demande à être sécurisé sur le plan cardio. Et ce n'est pas sûr du tout qu'il en ait besoin. Mais comme il le demande, le staff agit pour répondre à sa demande parce que c'est ce qui va nourrir sa motivation. Mais, et là, on, on se trouve dans une situation où le management répond plus à des, aux intuitions des joueurs qu'à des aspects structuraux, rationnels, on va dire. Donc les managers, coach-managers, doivent... Jouer sur toutes les facettes, le pôle rationnel, on construit quelque chose, bon, on essaye de le mettre en place, on l'évalue, on reconstruit quelque chose d'autre, mais en même temps être aussi, aussi là au service d'une demande affective ou de, de rassurer les joueurs pour les rendre opérationnels à 120%, on va dire. Vous avez déjà vécu un peu ces trucs-là Oui, je pense que le. Au départ ce qu'il faut c'est fixer des règles de vie, fixer un cadre, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les moins jeunes, c'est valable pour les anciens, et à partir du moment où il y a ce cadre-là qui est fixé, est, euh, la star c'est l'équipe, c'est pas un joueur, quel que soit le joueur, quel que soit, et ce qui me paraît important aussi c'est que en tout cas, nous, on avait des joueurs de 19 ans, Kylian Mbappé, 19 ans, à 33, 32-33, Hugo Lloris, Steve Monanda. C'est euh, d'arriver à avoir un, le bon canal pour chacun. Entre la génération Z, 19-20 ans, euh, très créatrice, euh, un peu olé-olé par moment, euh, qui zappe beaucoup, et ça veut dire qu'il ne faut pas leur faire des vidéos trop longues, ça veut dire qu'il ne faut pas leur faire des causeries trop longues, par contre, ce sont des joueurs sur le terrain qui vont rater un dribble, deux dribbles, trois dribbles. Ce n'est pas un problème pour eux, ils vont recommencer, ils ne doutent jamais. Donc, trouver le bon canal pour tous ces joueurs-là au quotidien dans une compétition qui est assez longue moins longue qu'au qu volet, j'ai bien compris. <laughs> Ouais. Euh, donc voilà, c'est un, un petit peu tout ça. Euh, mais quoi qu'il en soit, quand on arrive à, à dans les matchs à élimination directe, la meilleure vitamine, c'est la victoire. Quand on gagne, en général, c'est simple. Sur je la vais... génération Z, vous Bernard, Bernard, je Pardon vais t'interrompre un petit peu. Je oui vais passer une question de Yann Lemeur qui en fait devait être présent euh, à, cette, euh, à cette conférence, donc il s'excuse de, de son absence. Donc il m'a communiqué euh, les vidéos, donc je vous propose la, la première question. Donc Yann Lemur qui a entraîné le, le club de Monaco. Débutez-vous généralement un, une compétition internationale avec l'objectif que vos joueurs soient d'emblée à leur pic de forme ou au contraire, est-ce que votre planification cible davantage l'atteinte d'un pic de forme en fin de tournant Pouvez-vous par ailleurs nous décrire à quoi ressemble une préparation typique d'une épreuve internationale en termes de dynamique de charge Qui veut répondre <laughs> le, La première version, le premier premier truc de la question, je vais répondre. La deuxième, je laisserai Didier. <laughs> non, mais je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, ça dépend du, du tirage au sort. Euh, il est clair que je pense que vous, vous allez devoir être rapidement en forme. Dans un groupe un peu plus clément, on peut se permettre de, de gérer un peu mieux. Donc c'est lié, c'est lié, euh, je pense, avant tout au tirage au sort. Euh, par rapport à, aux adversaires qu'on peut rencontrer par rapport au format de la compétition euh, nous entre des championnats d'Europe qui sont très denses avec des équipes assez homogènes et des jeux olympiques où on sait que globalement s'il n'y a pas de mauvaise surprise on peut être en quart de finale, n'est pas du tout la même gestion. Donc je, je répondrai par le fait que c'est euh, lié aux compétitions et à leur format. Je bien... Pardon, oui, vas-y. Non, non, mais vas-y. C'est gentil de me passer le, de, la balle. Après, c'est vrai que je dis que c'est pas figé. Hein, donc les compétitions se suivent euh, et ne se ressemblent pas. Euh, dans la configuration actuelle, donc on va au championnat d'Europe. Euh, on a eu quelques blessures euh, l'année dernière. Cette année, on commence euh, l'annonce de la sélection avec euh, Nedim Remili qui n'a pas joué. Donc, qui va être sélectionné. Uh, Luca Karabatic, qui a le doigt qui est opéré. Quentin uh, Maé qui s'est uh, fait opérer du tendon rotulien. Et il m'en manque un quatrième uh, qui est... Uh, il ouais, y a un qui n'est pas officiel, donc qui s'est fait une petite uh, déchirure au quadriceps, que je sais, mais qui n'est pas officiel. Donc, il y a ça. Uh, donc, on arrive dans, au championnat d'Europe. Quentin uh, Maé a fait une très belle prestation. Uh, uh, au mondial en Allemagne, que euh, ça soit en groupe contre l'Allemagne et pour la 3-4 euh, pour la médaille de bronze. Et aujourd'hui, je n'ai pas quant à donc il faut déjà s'adapter euh, par rapport à cette compétition. Donc le format, quand on parle de format aujourd'hui, euh, formule. Euh, le, on, on a dans notre groupe les Norvégiens, qui sont vice-champions du monde, et l'équipe de... De, du Portugal contre qui on a perdu le euh, six buts à l'extérieur et il faut quand même additionner ces fameux points pour croiser, pour passer avec un, en face, avec face aux champions du monde et euh, l'équipe de Suède, qui est une très grande nation, pour espérer l'en demi finale. Donc, vous avez tous ces paramètres à prendre en compte pour construire votre compétition. Mais moi, je dis toujours que je ne suis pas préoccupé jusqu'au moment euh, de la préparation, parce que j'ai déjà bien assimilé qu'il y a des blessés. Il va falloir préparer une stratégie pour aller au championnat d'Europe, sans se cacher, parce qu'on sait très bien que pour pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques, il faut être champion d'Europe. Donc, euh, au moins, le, 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 tout le monde vise cette place-là, c'est la qualification directe, puisque le Dan, les Danois étant champions du monde sont déjà qualifiés. Si on n'est pas qualifié. Il va falloir passer par la phase de qualification au mois d'avril pour aller etc. Mais il y, y a certains joueurs qui se sont plaints en disant j'en ai marre de gagner du bronze. Bon, D'accord. Mais j'ai entendu quelques réflexions et puis c'est normal, c'est bien ça, c'est des compétiteurs. Donc j'en ai marre de gagner du bronze, c'est bien. Mais s'ils font que du bronze au championnat d'Europe, ils seront déjà qualifiés pour le Mondial. Donc j'espère qu'ils vont faire que du bronze. Donc, c'est vous dire que la difficulté parfois, c'est recontextualiser les choses et mettre les choses à leur place Et pour donner un sens. C'est important les médailles. C'est vrai qu'on a connu des jours glorieux, brillants, mais ça brille moins, mais on est encore sur la scène internationale. Et l'accès, ne serait-ce que l'accès aux demi-finales, ça veut dire que tu es dans la cour des grands où tu te bats pour exceller, pour espérer un jour être. Euh, médaille d'or, et on sait très bien qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait France-Croatie, il y avait toujours France-Croatie en finale, comme à l'époque, euh, France-Russie, et aujourd'hui, il y a France, euh, aujourd'hui, on, on peut vraiment euh, distinguer six, euh, entre 6 et 8 nations qui peuvent prétendre au titre. Ça veut dire que le handball, c'est équilibré. Tu n'as pas vraiment répondu à la question hein euh, ouais, Je vais répondre moi alors. <laughs> non, nous, en, en compétition, euh, Effectivement, en fonction des, du, du tirage au sort, du calendrier, de la durée, on essaye de se préparer pour être en forme le premier jour, pour ne pas rater le premier match en tout cas. Parce que souvent le premier match, il est euh, indicateur de la suite de la compétition. Euh, mais les charges de travail sont... Au volet, on a de la chance de ne pas avoir de coûts. Euh, donc on, on a des grosses euh, intensités de travail. En euh, charge physique, on est toujours à, pratiquement à 100%, 90% des, des charges ma maximales, parce qu'on cherche de l'intensité, on cherche de la vitesse, de l'explosivité. Donc on, est toujours, on garde toujours ces niveaux de travail en, en, en travail physique. Et les entraînements, en, bien sûr, avant la compétition, on allège un petit peu pour avoir le, sur, le, le, le rebond, mais on est sur des entraînements d'une heure et demie, deux heures, avec euh, 150, 200 sauts, et, et on enchaîne. Et parce qu'on a la chance de ne pas avoir les coups. Et après, j'aime bien euh, la Maxime d'Agassi aussi. On est un peu dans le, même si le tennis, ils font des matchs de 2h, heures, 3h heures, ou 4 heures. toujours intensité, 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 intensité. Quitte à raccourcir les entraînements, mais intensité, intensité, intensité. Nous, on est un sport très technique où il faut contrôler un ballon qui vient très vite ou de plus en plus fort. Et donc, nous aussi, la technique, on est obligé de la travailler à haute, à haute intensité aussi. Donc, euh, je ne sais pas si c'était ça la question, mais en tout cas, les charges de travail oui, sont assez élevées pour nous. Et, et la durée du travail est raccourcie pour donner l'envie aux joueurs de, de jouer. Voilà. C'était ça la question Oui, oui. Voilà. je vais revenir quand même tout sur la question elle-même, parce qu'elle pose problème. Euh, parce que la, la forme... La forme, il y a la forme physique, athlétique, et il y a la forme sportive. C'est deux choses différentes. Vous pouvez être au maximum de vos capacités athlétiques et très peu performant sportivement. Je vais donner un exemple que j'ai vécu et que je, je constate encore par mes, mes, mes lectures. À une époque où je jouais dans une équipe convenable, on allait quand même faire un peu de ski. On avait le droit. En rentrant de faire du ski, ça je peux vous garantir que physiquement j'aurais tout cassé, j'avais des jambes d'enfer, mais je ne sautais pas au bon moment. Autrement dit, je ne jouais pas mieux parce que j'étais physiquement plus fort. C'est-à-dire que le, 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 le trop de physique que j'avais pu accumuler ne, ne me servait pas. Donc je pense que quand on parle de la forme, il faut, il faut préciser si c'est une forme athlétique ou sportive. Deuxième remarque, je pense que quand on fait des grands tournois, etc., on n'est pas à la pointe athlétique de la, même de la forme sportive comme ça peut être le cas dans les sports individuels. On a un très haut niveau de forme sportive, mais qui ne s'exprime pas forcément par un pic. Il faut répondre au mieux qu'on peut à la compétition. C'est-à-dire avoir un rendement sportif élevé, mais ça ne passe pas forcément par une, un pic. C'est mon avis. Souvent, quand on est en forme physique, on oublie de travailler le mental et d'être intelligent. Oui, il y a plein de choses, oui. oui, oui. c'est vrai qu'il vaut mieux être intelligent que physiquement très fort. On a quand même besoin du physique oui. pour, pour soutenir. Oui, oui. Mais c'est vrai que souvent, quand on voit le joueur trop en forme, en tout cas au volet, il veut sauter trop haut, il perd de la, de la lucidité dans, dans, ses, dans ses choix d'attaque, de feinte, d'intelligence de jeu, parce qu'il il y a une confrontation avec l'adversaire et donc il va s'appuyer sur son physique au lieu de s'appuyer plus sur sa technique et son intelligence de jeu. Donc c'est vrai que la forme physique, il faut qu'on soit en forme physique, mais il faut qu'elle soit effectivement adaptée au rythme du jeu et à la qualité du jeu. Et ce qui est important aussi, donc quand on parle sur la compétition, alors ça n'a peut-être rien à voir avec ça, la question, mais c'est... Toujours s'adapter à l'adversaire. C'est ce qu'on fait naturellement quand physiquement on est un peu moins bien. On s'adapte à l'adversaire pour essayer de faire déjouer l'adversaire. Quand on est en trop grande forme physique, on veut bien jouer, on veut être parfait. Et c'est là où on, 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 on se fait piéger parce qu'en voulant être parfait, on commence à jouer mal, à s'énerver, à être frustré et à perdre. Par expérience. Vous avez vécu ça au football C'est une question. Hein oui. À nous. Euh D'abord, il, il me semble qu'il faut faire un bilan, quand on a les joueurs. On, les joueurs. on aura les joueurs fin mai, on saura combien de matchs ils ont joué, on saura s'ils ont été blessés, euh, etc. Et on aura trois semaines, soit pour rééquilibrer, soit pour euh, réathlétiser, soit pour euh, les, les mettre progressivement euh, au meilleur niveau. Et pendant ces trois semaines-là, on aura deux matchs amicaux. Donc c'est peu de temps, très peu de temps pour arriver le 16 juin tout près du maximum ou au maximum contre les, les Allemands. Et les Allemands vont aussi avoir la même chose en, dans la tête. C'est différent de ce qu'on a rencontré en Russie où on a joué des nations qui sont moins bien classées au, au classement FIFA. Donc évidemment que ce sera des... Puisque nous on fait beaucoup de travail intégré, c'est-à-dire beaucoup de travail avec ballon. Ce qui ne va pas nous empêcher de faire quelques exercices d'explosivité et que les joueurs, avant l'entraînement, prennent conscience de leur corps avec un travail de gainage, avec un travail de proprioception. Mais après, l'essentiel du travail, c'est un travail avec ballon. Et ce travail avec ballon doit améliorer les automatismes. On a assez peu de temps pour que l'équipe se mette en place. Ce ne sera pas forcément la même équipe qui aura joué deux mois avant. Et donc, euh, pour répondre à la question, c est, c est, ça ne sera pas extrêmement différent de ce qu'on a fait précédemment à la Coupe du Monde. Mais il y aura quand même un aspect psychologique qui va jouer parce que on joue les Allemands, on ne joue pas une nation dite mineure, entre guillemets, même si je ne sais plus exactement ce que ça veut dire aujourd'hui, parce que tout le monde progresse. Merci. Des questions dans le public Bonjour, euh, Mathieu Dehors en formation de DES. Euh, je voulais savoir quelle part vous accordez à euh, la préparation mentale alors, euh, pendant la préparation, pendant, le, pendant la compétition, si dans vos staffs respectifs, il y avait un préparateur mental ou quelqu'un en charge de cet aspect-là. Merci. Ça va être rapide. Nous, ça n'existe pas. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, non. Parce que le sélectionneur a décidé qu'on était plus efficace dans un staff resserré. Non, nous, on a eu un, un préparateur mental pendant 2-3 deux, deux, ans. Euh, puis on a arrêté. Et on a décidé de continuer sans. Pourquoi Parce que... Ça, si, si, non, c'est une bonne question. Au début, je l'avais pris pour euh, qu'il aide le staff. Parce que j'avais l'impression que euh, c'est très difficile d'intégrer un préparateur mental dans une équipe avec des joueurs qui ne sont pas forcément euh, volontaires là-dessus. Et comme c'est une démarche individuelle, je ne voulais pas l'imposer aux joueurs. Donc euh, j'ai demandé au préparateur mental de venir sur le staff, pour travailler avec le staff, et d'être à l'écoute des joueurs qui en avaient besoin. Et il s'est retrouvé qu'il y ait deux, trois joueurs qui ont réclamé, qui ont travaillé avec lui, puis après qui ont arrêté. Et à la fin, il n'y avait plus personne qui allait le voir. Donc j'ai arrêté. Et là, sur cet été, j'ai pris un préparatoire mental plus pour moi, parce que j'étais un peu perdu. Et j'avais besoin de retrouver des certitudes dans ce que je devais faire, à ce que j'allais faire. Et je dois dire que ça m'a bien aidé. Mais c'était plus pour moi, parce que la démarche pour un joueur. C'est difficile. C'est rajouter une personne au staff qui est extérieure, qui veut peut-être gérer les entraînements, le type d'approche. C'est très compliqué. Et donc voilà. Mais moi, cet été, ça a été très bien pour moi. Donc, euh, nous, au niveau du basket, on n'en a pas. Moi, je considère, avec une double casquette d'entraîneur de club, je considère que c'est une bonne chose. Mais comme tu viens de le souligner. C'est plus sur des, des cas individuels. cest que moi, j'ai vu des joueurs faire un gros travail avec un préparateur mental, mais déjà sur un projet à moyen et long terme. Et je pense qu'on est dans l'urgence par rapport aux compétitions internationales. On a très peu de temps. Je ne suis pas un expert par rapport à ça, mais je pense que c'est un travail qui demande un peu plus de temps, euh, une réflexion importante avec les individus. Et moi, je le vois... Je, moi je suis tout à fait pour, mais dans le cadre d'un travail sur plusieurs mois avec des cas bien, bien individualisés. Si je peux, le basketball en 2000, où ils ont eu une médaille d'argent, ils avaient eu un préparateur mental. Mais il n'est pas sûr du tout qu'il ait mis un peu d'ordre là-dedans. Il a créé beaucoup de désordre. Alors c'est peut-être lié à la personne, bon, peu importe. Et je reviens sur la remarque de Laurent. Euh, en basket, il y a un, un des plus grands coachs au monde, Ettore Messina, qui, qui lui, est persuadé que si quelqu'un a besoin d'un préparateur mental, c'est le coach. Pour essayer de ne pas se laisser embarquer dans des humeurs ou dans des duels improductifs, créer de la crispation, etc., se contrôler. Et je pense que c'est une, une bonne démarche. Moi, je, à titre personnel, je lis beaucoup de bouquins là-dessus parce que je suis persuadé que si je deviens un peu plus préparateur mental, je serai peut-être un peu plus ressource pour les joueurs. Mais euh, après, vous savez, la différence entre un head coach qui décide euh, qui va jouer, qui fait sortir, qui la sélection, on a une position qui est pas forcément toujours à l'écoute pour le joueur. Et donc, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Mais je pense que la, la préparation mentale est, est, est importante quand même. On doit en avoir conscience. Diriger des joueurs que l'on veut responsables. Ce n'est pas simple, non Comment vous procédez Le, 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 le sous-pesage des deux termes qui sont antinomiques. Ben nous, on a fait, euh, sans dévoiler de secret, on a fait un truc qui est assez antipédagogique à la Coupe du Monde. Euh, je me souviens quand j'étais étudiant en éducation physique, ça fait, ça fait longtemps, au Krebs de Dinar, on nous avait parlé des travaux de Kurt Lewin, le psychologue américain d'origine allemande, qui a fait beaucoup de travaux sur la dynamique de groupe et sur le leadership. Et il a fait beaucoup de, de travaux dans les différents, différents métiers à l'époque, aux alentours de 1930-1940. Il était arrivé à la conclusion suivante, c'est que euh, les travailleurs qui sont euh, intéressés au projet amènent un rendement supérieur dans l'entreprise. Nous, on a fait un petit peu ça. Euh, habituellement, pour préparer un match, Didier, il fait deux causeries. Une causerie le matin qui est surtout euh, l'adversaire vidéo l'adversaire comment il joue les points forts les points faibles les, les, les joueurs clés etc puis il fait une deuxième vidéo euh, trois heures avant le match en, surtout sur nous voilà comment on va jouer et puis sur l'aspect émotionnel l'aspect motivation voilà ça dure pas longtemps ça dure dix minutes et, voilà c'est assez assez tonique on a rajouté ça, c'est les 23 à chaque fois, le groupe de 23 qui est là. On a rajouté une réunion, une causerie, la veille du match, uniquement les 11 joueurs qui allaient jouer le match. 11 joueurs, plus Didier, plus moi. 13. 13 à table. Et euh, ça a été très très riche. On a fait ça à partir des matchs à élimination directe. Ça a été très très riche parce que les joueurs se sont beaucoup plus exprimés que lorsqu'on était 23. Et on allait jouer l'Argentine, par exemple, et Umtiti, qui jouait au Barça, il a parlé de Messi. Je suis sûr que si on était resté à 23, il ne l'aurait pas exprimé de la même façon. Et donc, il a pu dire certaines choses aux défenseurs, aux autres milieux de terrain, etc. Quand il est dans cette position-là, ben, il se retourne plutôt sur sa droite, plutôt sur sa gauche, etc. Un autre joueur, Griezmann, qui n'est pas celui qui parle le plus, qui est un joueur très subtil mais qui ne parle pas beaucoup, il a, euh, comme quand on a joué l'Uruguay en face, les deux défenseurs centraux de l'Uruguay, c'était deux défenseurs de l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire de son club à l'époque, et il savait que lorsqu'il, lorsqu'il y avait un coup franc pour nous et que Antoine, quand il prenait sa course d'élan, les défenseurs, ils allaient reculer, et donc ça permettait à nous de prendre un temps d'avance. Et ça, il l'a expliqué. Donc c'est un, un peu comme, euh, comme je disais tout à l'heure, sans, sans vouloir faire de, de comparaison, mais les joueurs se sont, se sont sentis impliqués dans le projet. Et donc ça a été très, très bénéfique. Et on a fait ce genre de réunion jusqu'au bout, jusqu'à jusqu la finale. Donc il y avait trois réunions, deux réunions il avait, où il y avait les 23, et une réunion où il n'y avait que les 11, parce que les joueurs étaient plus impliqués. C'est peut-être pas très pédagogique, mais ça a marché. Non, mais à mon avis, c'est plutôt pédagogique quand même. Hein. Bon, non, ce, qui, ce qui me paraît important, c'est d'arriver à, à faire en sorte que les joueurs anticipent et le staff aussi, d'ailleurs, parce que face à la complexité et la, et la victoire fragile, on va dire, hein, une des réponses, c'est l'anticipation. Ce que tu viens de dire, là, c'est en fait. Trouver une formule, un détail, quoi. trouver une formule, la... ouais, mais trouver des ce que détails. je veux dire, c'est euh... la, la, la différence entre la défaite et la victoire, c'est oui, mais... c'est pas grand chose, quoi. Et, et ce détail-là, dont a parlé Humpty, dont a parlé Griezmann, c'est peut-être ce qui nous a permis de faire la différence, quoi. Parce qu'ils ils se sont sentis impliqués dans le projet, quoi. beaucoup plus que si euh, un entraîneur donne ses consignes. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, etc. Dans telle zone, là, il y a vraiment eu, il y avait déjà des échanges. Mais là, il y en a eu encore plus. Quoi. Ouais, mais c'est une anticipation. C'est une anticipation qui est plutôt intuitive, on va dire. Peut-être que Didier Deschamps, il a trouvé. Euh, la, les personnes qui ont décidé de faire ça ont pensé que c'était un moyen pour faire parler les joueurs, élever le niveau de responsabilisation, essayer d'être en amont du match. Ça me, paraît, ça me oui, paraît très important. Parce que quand on vit longtemps ensemble aussi, ce qu'il faut éviter, c'est la routine. Et, et donc, il faut trouver. Euh, euh, des actes pédagogiques un peu différents pour les faire réagir. Je, je, je crois, crois qu'il va y avoir une question. Encore deux ouais. questions. Bonjour, bonjour à tous. Euh, juste, je me mets, j'imagine, j'écoute. En, en tout cas, le, le débat est très intéressant. On voit la matière, on commence à la toucher, on commence à comprendre votre milieu. Euh, moi, je vais prendre le, un peu le, les choses à l'envers. L'athlète, tout au long de sa carrière, au début, euh, il doit répondre à des critères morphologique, physique, cognitif, etc. psychologique, environnement aussi. Euh, puis après, euh, il doit répondre à des contraintes qui sont aussi physiques. On l'a vu là dans la compétition, les contraintes physiques, il faut, les, faut les, les, les entretenir, voire même les améliorer pendant toutes les trois semaines de compétition, etc. En fait, euh, de l'extérieur, je m'aperçois que l'athlète est tout le temps jugé, ou en tout cas euh, contrôlé. Euh, par exemple, pour être sélectionné, au début, c'est une sélection d'un groupe France. Ensuite, c'est une sélection de l'équipe qui va être sur la feuille de match, si je parle du basket ou le, du foot. Et puis après, peut-être aussi sélectionné dans les joueurs qui vont jouer, parce qu'on sait que sur 10 joueurs, par exemple, au basket, il n'y en a peut-être que 7 qui vont jouer dans le match. Donc, c'est tout le temps, euh, l'athlète est tout le temps jugé. Euh, peut-être que je me trompe. Peut-être que, peut que c'est de l'extérieur, on voit ça comme ça. Euh, donc, voilà, j'arrive à la question. Pendant ces 3 semaines de compétition, c'est ta tête qui est jugé ah aussi par l'opinion publique. Hein, il y a aussi ce jugement-là. Euh, je pense que vous avez des conseillers, chacun son domaine. C'est-à-dire qu'on parlait psychologie de psychologie, de coach mental, mais je pense qu'à un moment, je pense que vous, vous avez sûrement dans votre staff des conseillers, des, des, des spécialistes de chaque domaine, pour pouvoir aussi euh, réconforter l'athlète, le mettre dans un environnement confortable, euh, propice à la compétition trois semaines, ne pas le perdre, ne pas voilà. Est-ce que comment est constitué votre staff Merci. Bon, moi, je suis très rapide. Euh, J'ai des enfants. J'essaye de considérer les joueurs comme mes enfants, d'avoir la même logique, terre à terre, simpliste, sans se monter la tête. Et c'est vrai qu'ils sont effectivement jugés, mais ça fait partie aussi du sport de haut niveau, ou de très haut niveau, ou de très 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 haut niveau. Et c'est la vie de tous les jours. La vie, elle n'est elle est, elle est, elle est pas juste. On essaye de la rendre juste. Et on essaye de. Voilà. De, moi, j'essaye de gérer ça comme tous les joueurs, comme des enfants. Et avec les erreurs et que je peux faire. Et, et voilà. Je n'ai pas d'autres réponses là-dessus. Je crois que ce qui est important, quand même, de, de savoir, c'est que. Et je mets le staff dedans. Quand on a la chance de porter le maillot de l'équipe de France et de disputer des compétitions comme on peut disputer, c'est avant tout un privilège. Donc euh, de penser qu'effectivement, plus le niveau est élevé et plus c'est médiatique, plus on peut être appelé à subir des critiques. Mais nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment cet été. On a, je crois que le DTN et Vincent ont commencé par dire. Les, les joueurs qui avaient justement la chance et l'opportunité de disputer ces compétitions, c'était une chance inespérée. Et à partir de là, j'ai la faiblesse de croire que pour espérer le meilleur de chacun d'entre eux et avoir cette force collective, il faut les mettre en confiance. Donc nous, on c'est est ce qu'on a essayé de dire depuis le début. On n'est pas là pour les condamner à chaque erreur ou pour les juger. Je crois qu'on est là pour tirer le meilleur du groupe. Ça passe par des moments où il faut, c'est le ton et leur faire comprendre qu'ils ne euh, qu vont pas dans la bonne direction. Mais la plupart du temps, c'est à travers les échanges, à travers la dynamique collective qu'on peut réussir. Donc euh, moi, je sais qu'en ce qui concerne la dernière compétition, je n'ai pas senti des joueurs bloqués psychologiquement, j'ai senti des joueurs au contraire libérés et, et heureux d'être là. Et encore une fois, Vincent l'a souvent souligné. Euh, conscient de, de l'ampleur de la tâche et des responsabilités, mais avant tout, c'est une chance inespérée et il ne faut pas qu'il l'oublie, qu'il qu puisse jouer libéré et s'exprimer comme, comme ils peuvent le faire. On peut avancer sur euh... pardon. Euh, bonjour, j'avais une question euh, sur la charge d'entraînement du coup pendant la, la durée de la compétition. Comment est-ce que vous planifiez votre récupération? Euh, après les matchs, après les entraînements, et aussi avant, pendant la préparation, vu que les joueurs arrivent souvent après des longues saisons. Sur la récupération, la récupération, il y a de l'écho. Ouais, ben la, ré... ben la récupération, c'est vrai qu'ils a... ne sont pas en général... Euh... C'est à deux temps, à deux vitesses, on va dire. D'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, quand je n'ai pas répondu à la question, euh, c'était peut-être dans ce sens-là. Le stage, il faut savoir que le stage qu'on fait du 26 au 30 n'est pas une semaine internationale. Donc c'est avec l'accord, on va dire des clubs et sur leurs vacances en gros, donc euh, qui sont normalement qui devaient être des congés payés, donc à prendre dans, dans des conventions, etc. Donc c'est pas une semaine qui existe, mais qui était obligatoire puisque les, compéti la comp les compétitions se terminaient le 2 février et par exemple le championnat d'Europe va se terminer le 26 janvier. Imaginez bien que c'est très court. Donc c'est à deux vitesses. Il y a des joueurs en général qui arrivent en stage euh, après 12 jours, euh, une dizaine de jours euh, de récupération. Il y en a qui auront joué deux jours avant. Donc, il faut prendre en charge, en compte, cette, fameuse, cette charge de fatigue. Euh, pour autant, euh, au bout de deux jours, tout le monde est un peu sur le même euh, pied d'égalité parce qu'il y a des charges. Euh, le, 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 en préparation physique qui sont faites, mais qui sont un peu plus adaptées pour ceux qui sont en état de fatigue, un peu plus avancés que d'autres. Après, forcément, on rentre dans un système de balnéo, de tout ce qu'il y a, euh, pour qu'ils puissent être euh, en associant, bien évidemment, la partie tactique qui est essentielle aussi en vue de ce qui va arriver. Donc, euh, nous, on a en gros 4 jours pour les mettre d'aplomb, et si euh, tu entends ce que j'ai dit avant, donc ils reviennent le 2, et le 3, on joue déjà. Donc, euh, il faut non seulement se projeter sur l'adversaire, préparer, faire un petit rappel physique plus intense pour certains, plus en récupération pour d'autres. Euh, donc, après, chacun, en fonction de la discipline, je suppose, euh, s'adapte. Donc, euh, c'est une période qui est assez compliquée cette fin d'année. D'autres récupération Non. C'est tellement aléatoire en compétition, en fonction de là où on est, des trajets, euh, vous faites 1000 km en avion ou en train pour... C est, c est, en fait, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'en compétition, rien n'est prévu et tout arrive. Donc, euh, on essaye de tout prévoir, mais, et la récupération fait partie de ça. Parce qu'on aura beau prévoir un temps de récupération, un bain froid, stretching, même s'il ne faut pas en faire, ou j'en sais rien, toutes vos, toutes vos philosophies que vous voulez. Vous savez que les, les, les joueurs, si vous jouez à 2h de l'après-midi, vous aurez plus de chances de récupérer que si vous jouez à 20h30, comme nous. Euh, les joueurs ne vont pas se coucher avant 3h ou 4h du matin s'ils ne textent pas trop sur Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Euh, et que le lendemain, on joue à 14h. Voilà. Donc la récupération, c'est assez compliqué. C est, c est, on essaye d'avoir les joueurs en forme et avant et, et puis Inch'Allah. Voilà, nous, euh, nous, on a mis aussi. Euh, euh, bon, la fédération nous a mis. Euh, euh, Quelqu'un de plus dans le corps médical. Ce qui veut dire que les joueurs, euh, le, le, le médecin Pierre-Sébastien a mis pour obligation de, de toute façon de passer au massage. Donc, quoi qu'il se passe, il passe ne serait-ce que 10 minutes au massage. Et il y a aussi des bains froids qui sont mis en place le soir pour faire baisser la température, pour mieux dormir. Donc, euh, parfois, on voit les joueurs partir. Euh, J'aime bien les Quentin Mahe, par exemple, le soir, tu vas prendre un bain froid à 23h, on dit Où tu vas non, non, je vais prendre un bain froid. Voilà, avant de se coucher pour pouvoir mieux dormir. Donc, ça, ce sont quelques petites techniques de récupération pour essayer de bien dormir. On sait très bien que le sommeil, c'est la base même de la récupération. Euh, nous, en gros, il y a des, quand les joueurs arrivent, on les, on les teste il y a des tests aérobies, des tests musculaires. On voit dans quel état ils sont. Et à partir de là, il y a un travail individualisé qui est effectué. Il faut rapidement travailler au, passer au travail de groupe, passer au, au jeu d'entraînement, parce que c'est avant tout là qu'on progresse. Mais il y, des, il y a des tests qui sont effectués par le, le staff médical. Et, et à partir de là, on, on sait à peu près où on en est. Et dans la compétition, nous on a des matchs. Dans la compétition, il y a 4-5 jours entre chaque, entre chaque match. Le lendemain du match, il y a un entraînement poussé pour ceux qui n'ont pas joué ou peu joué. Voilà, euh, Ceux qui ont joué un quart d'heure, c'est pareil, ils ont le, le même entraînement, entraînement poussé. Et ceux qui ont joué, ils ont un euh, travail de récupération euh, assez cool, euh, beaucoup aiment faire du vélo, euh, travail d'étirement, euh, bain froid, Voilà, pas cryothérapie, hein. bain froid, c'est pas la même chose. Euh, on parle de 8, 9 degrés à peu près, on parle pas de moins, moins 150. Hein. Euh, voilà et évidemment massage, euh, évidemment le sommeil, euh, évidemment euh, discussion et c'est là aussi que rentre. Euh, c'est très important que le staff technique ait un retour par le staff médical des soins qui ont été effectués, des douleurs, etc. Pour que et, euh, un point est fait euh, régulièrement dès le lendemain du match. Après, on passe à J plus 2, et à J plus 2, on est quelquefois à J-2 par rapport au match, donc il faut déjà mettre l'équipe en place sur le terrain, etc. Donc il n'y a, a pas un travail énorme qui est fait entre, entre, chaque, entre chaque match, évidemment un travail tactique qui concerne l'équipe, et aussi un travail sur les coups de pied arrêtés, puisque sur cette Coupe du Monde-là, euh, 42% des buts ont été marqués sur coups de pied arrêtés d'ailleurs, on en a pas mal bénéficié, nous, alors que ce n'était pas forcément notre point fort. Et malheureusement, de manière générale, c'est valable pour les équipes nationales, c'est valable pour les équipes de club. On ne passe pas assez de temps à travailler les coups de pied arrêtés. Quand je dis coups de pied arrêtés, c'est corner, c'est coup franc, c'est pénalty et c'est touche. On considère que la touche, c'est également un coup de pied arrêté. Il y a des équipes qui sont des spécialistes du, de la touche, en particulier les, les Islandais, par exemple. Donc voilà, voilà, ça doit faire partie de l'entraînement aussi. Moi, je vais rejoindre tout ce qui a été dit. Le, le, ce que je trouve intéressant dans la récupération d'après-match, c'est aussi l'aspect psychologique. C'est que quand les joueurs, plutôt que de partir dans leur chambre et d'être frustrés, et de, en, cas de, en cas de défaite ou en cas de frustration individuelle, le fait qu'il y ait cette petite complicité avec les kinés, bien sûr, au-delà du bien-être des massages et de tout ce qu'on vient dire, c'est quelque chose d'important et j'ai la faiblesse de croire que le lendemain, quand il se réveille, on est déjà passé à autre chose. Donc, cet, cet épisode de récupération à travers, nous, on a la chance d'avoir deux kinés, un ostéo. On avait une masseuse qui s'occupait des joueurs aussi. Donc, c'est, c'est un sentiment de bien-être qui est important et je trouve qu'au-delà de, des séquelles physiques, ça lave un peu les cerveaux des joueurs. Voilà. Juste un, un mot sur la récupération. Il euh, y a pas mal de choses décrites. Bon, on peut lire plein, plein de choses. Personnellement, je m'en suis vraiment questionné autour de ça. Et euh, j'ai échangé avec le préparateur physique de l'équipe de France, que je connais assez bien. Et je lui ai dit, mais comment ils font en NBA Alors, euh, parce que moi, je m'imaginais des questionnaires que je considérais comme simple, mais qui en fait ne l'était pas trop. Et la réponse qu'il m'a donnée, il me dit, mais c'est très simple en NBA. Quand ils arrivent, la première question qui est posée, est-ce que tu as bien dormi Point à la ligne. Point à la ligne. Alors certes, ce n'est pas le seul critère, mais pourquoi faire simple, si on peut faire simple Pourquoi, pourquoi pas, ne, ne pas compliquer Faire simple si on le peut. Voilà, c'est ça que je me demande. La, la, la qualité du coaching, du management, c'est d'arriver à simplifier. La, la situation est tellement complexe qu'il faudrait pouvoir la simplifier. Et je pense avoir donné un exemple possible. Il faut prendre la traumatologie en place. Il y a des joueurs qui ont pris des coups. S'il suffisait juste de dire si tu as bien dormi, si tu as pris un coup à la cuisse, forcément tu ne vas pas t'entraîner aujourd'hui. On ne peut pas non plus rentrer simplifié oui, avec tous les critères qu'il y a. Ça, ça reste compliqué quand même. Il oui, oui, faut, oui, faut oui. voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être un entraîneur, que de devenir un entraîneur, que de ne jamais rester sur place en tant qu'entraîneur, mais de constamment évoluer, de constamment innover. J'étais nommé entraîneur, ça' jamais avoir voulu être entraîneur avant d'être entraîneur. C'est un paradoxe, c'est comme ça. L'entraîneur, c'est celui qui crée de l'entrain, de l'entrain de l'entrain éternellement. Et vous êtes un soutien moral et surtout il faut les, les forcer à avoir le goût de la, de la victoire, c'est ça surtout. Je pense que au début est la dépendance dans la satisfaction du besoin. Euh, les athlètes, les joueurs, ont, ont des manques et je suis censé, moi, leur apporter la réponse. Donc la relation champion et élève est très importante. Je continue de penser que je n'ai fait que proposer des pistes de réflexion que j'ai matérialisées. Entraîner c'est comme euh, tout j'allais dire tout métier mais tout art. La philosophie qu'on se donne construit toute sa méthodologie, tout son travail d'entraîneur. Euh, un entraîneur, il a besoin d'être entouré. J'ai parlé tout à l'heure des leaders les leaders sont des gens sur qui vous pouvez compter. C'est eux qui vous font gagner. Donc, c'est avec eux qu'il faut gérer tout ça. Il y a toujours au sein d'une équipe des gens qui ont le droit d'avoir des projets personnels à certains moments, qui vont s'exprimer au travers de l'équipe. J'ai euh, bah des, des vedettes. Hein. Bon, à une certaine époque, c'était Frédéric Magny. Euh, maintenant, c'est Florian Rousseau. Et c'est vrai que euh, eux, je les considère comme des pilotes d'essai, hein, des pilotes d'essai de l'entraînement. Le nageur, c'est à lui que le problème est posé. Et par conséquent, c'est lui qui doit avoir des, 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 des solutions, ou il doit être informé au moins des objectifs poursuivis, ou qu'il y ait une espèce de, 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 de concordance, de, de, de vision commune du problème. Tant qu'ils n'avaient pas acquis un certain nombre de choses, ils étaient en situation de dépendance. Mon boulot, c'est à raccourcir la situation de dépendance. Plus elle était courte, et plus j'étais content de moi. La deuxième partie, c'était maintenant vous savez faire quelque chose, je suis là pour vous rappeler que vous savez faire quelque chose. Je m'occupais aussi de gens qui ne couraient pas vite. Et je crois que c'est avec eux que j'ai davantage appris qu'avec des athlètes doués. On ne peut pas entraîner une équipe, une équipe de football, une équipe dans n'importe quel sport, ou même une équipe commerciale ou industrielle, si on n'aime pas les membres qui la composent. Et alors, quand l'on aime, on progresse. Tous les jours, de venir faire de 15 à 20. Tous les jours. Ah bon là. Prêt. Didier, Pascal, pas de réaction sur le justement sur la qualité de, de l'entraîneur, sur ses compétences. Un vaste, un vaste sujet, vaste ouais, programme. J'aime bien euh, en train, en train, en, en train, en train, en train et toujours en train. Voilà, je pensais qu'elle pleurait celle-là. Euh, oui. c'est la première question, la première, euh, Remarque que je faisais, c'est garder la motivation des joueurs pour aller jusqu'au bout et pour aller au bout des rêves. Nous, on est là pour entretenir des rêves chez des joueurs et les accompagner le plus loin possible, tant que ça marche. Entraîner, c'est entraîner en train, mais c'est aussi tirer avec soi. Là, je pense que c'est la définition qui doit être une, une des définitions possibles du dictionnaire. C'est-à-dire que si l'entraîneur tire trop fort, il risque de se retrouver tout seul. Donc, il faut tirer suffisamment fort pour entraîner avec soi et, et être à la limite de ce qui est possible. Mais si on tire trop fort, on a un point de rupture. Entraîner, 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 c'est innover. Ça, c'est bien aussi parce que ce qui, comme on l'a déjà dit, on l'a évoqué, ce qui était valable la compétition d'avant ne sera pas valable demain. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans les, dans les nouvelles approches euh, au niveau de l'entraînement, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, il y avait le staff qui était l'autorité et les obéissants, là, les, les joueurs. Donc, moi, j'ai fait partie de l'époque autoritaire où on on, l'entraîneur avait toujours raison. Ça a marché aussi parce que c'était l'autorité, mais on a souffert. Et aujourd'hui, euh, on, on s'associe à des gens. On veut une harmonie, on veut qu'il y ait un collectif, on gagne ensemble. Moi, je leur dis tout le temps, hein, on gagne ensemble, on perd la, ensemble et on fait la fête ensemble. Mais faire la fête ensemble, c'est un jour. Hein. C'est-à-dire qu'on a gagné une médaille, on a gagné quelque chose qui fait qu'on peut célébrer ensemble un jour. Donc, c'est pas être copain avec eux. Donc, par contre, on doit se mettre aussi à leur niveau pour les écouter. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que c'est eux qui sont acteurs, c'est eux qui font la performance, on est à leur disposition. Et faire respecter le projet collectif. Voilà, donc moi je, je m'associe aux joueurs parce que je sais que j'avais aussi besoin de ça, parce que j'avais eu un entraîneur qui m'écoutait. Mais si j'avais été avec une autre philosophie d'entraînement, ça se trouve j'aurais été autrement. Mon entraîneur était humain, il m'écoutait, par contre je peux vous jurais que c'était un démon, hein. il nous parlait vraiment très très mal. Et par contre je le respecte énormément parce qu'il m'a appris au niveau technique et grâce à ça, aujourd'hui, je peux être entraîneur parce qu'il m'a enseigné des choses. Il y a toute cette approche qu'on peut avoir au niveau pédagogique qui est intéressante. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le troisième point, à moins qu'il y ait des questions oui. C'est un chercheur aussi, je pense. Euh, les entraîneurs qui réussissent avec une méthode, et puis à un moment, cette méthode ne passe plus. On voit en première division, par exemple, à un moment c'est plus difficile, et celui qui euh, ira plus loin dans la recherche des nouvelles technologies, euh, qui s'informera sur euh, comment jouent les meilleurs entraîneurs, euh, etc., je pense que c'est celui-là qui, qui ira le plus loin. Euh, c'est vrai que l'aspect motivationnel est important, mais la, je pense que l'aspect recherche est, est aussi euh, important pour tirer le max. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'il faut C'est tirer le maximum de ses joueurs. Si, c'est ça un bon entraîneur, c'est celui qui tire le maximum et celui qui, euh, avec euh, toutes les nouvelles technologies, arrivera à, à, évidemment à, à gagner des titres. Je, je, je trouve que y, y, on a tendance à, à rester toujours avec la même logique, avec toujours le même raisonnement. Et euh, avec toutes les relations qu'on peut avoir aujourd'hui avec les, les joueurs, le rapprochement qui est inévitable avec les joueurs, tout en gardant une certaine distance, mais il n'y a plus euh, l'aspect autoritaire dont Didier parlait, ça ne passe plus aujourd'hui. Avec les nouvelles générations, ça ne passe plus. Et il faut vraiment trouver le bon canal avec eux. Je rebondis, ce n'est pas un problème. Non. <laughs> euh... J ai, j ai, bon, bah ça va alors. Pour rebondir aussi, j'ai découvert que l'humour était aidé beaucoup. L'humour euh, plein de rire et qu'on faisait passer beaucoup plus de messages de façon informelle. On pouvait aller beaucoup plus loin dans, les, dans, le, dans, le, dans la performance en, voilà, en, en, en utilisant l'humour et, et en décalant les messages. Et, J'aime bien utiliser les symboles aussi, beaucoup de symboles ou des paraboles, parce qu'on on a besoin d'être très percutant et de euh, sensibiliser le joueur sur, sur la performance ou ce qu'il a à faire. Et c'est vrai que c'est complètement différent de ce que moi j'ai beaucoup évolué en 8 ans que je suis à la tête de l'équipe de France. Quand j'étais entraîneur de club, où je dirigeais tout, j'avais les mains sur les contrats, sur le recrutement, sur la... très autoritaire, parce que je maîtrisais tout. Et j'ai appris en équipe de France à moins maîtriser, moins maîtriser et donc à trouver des solutions, chercher des solutions, chercher des solutions sur la motivation, chercher des solutions techniques, des solutions sur le style de jeu, sur la préparation physique, sur la vidéo, sur les, les datas, et c'est vrai que j'aime bien l'idée de, de chercher et de chercher des solutions pour, y, pour avancer. On peut passer au dernier temps de notre euh, regroupement. Le dernier temps, c'est se projeter un peu euh, sur euh, le futur, on va dire. On a parlé de performer, mais j'utiliserai la notion former. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut. Performer sans avoir été formé Comment imaginer ou se projeter dans la formation des futurs internationaux pour en faire des joueurs créatifs, des vraies personnes ressources, des joueurs libres, créatifs Est-ce qu'il n'y a pas à repenser un peu La formation, ça a été déjà un peu dit à propos de la génération Z, ils ne fonctionnent pas du tout comme des adultes, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur ce, ce volet-là? Parce que les jeunes d'aujourd'hui qui ont 19, 20 ans, ils seront dans l'équipe de France de Paris 2024. Former des joueurs d'abord demain, on va dire. Nous, c'est le cas au niveau, au niveau du basket. Je pense que déjà il y a un héritage, c'est-à-dire que, que les générations changent. Et que les mentalités changent, c'est une chose. Mais je crois qu'il faut aussi qu'ils soient conscients de l'héritage. Et tout à l'heure, on parlait de trois générations mettant dans, dans certaines équipes. Je pense que c'est important que les jeunes soient à l'écoute aussi de ce qui s'est passé avant. Bien évidemment, qu'ils gardent leur identité et leur personnalité. Mais il ne faut pas tout oublier. Il ne faut pas considérer qu'ils peuvent tout bousculer du jour au lendemain. Et je pense qu'on le voit à travers les, les équipes qui réussissent. C'est un savant dosage de joueurs d'expérience, de joueurs qui sont un peu entre les deux, et de jeunes joueurs. Nous, cette année, on avait des, un joueur comme Franck Kilikinak, qui c'était sa première compétition internationale. Il était chapeauté par des garçons comme Nando De Colo. Et lui, il avait la sagesse d'écouter et de pouvoir progresser au quotidien. Donc, il faut qu'ils gardent leur, euh, leur fougue et leur jeunesse, mais il faut qu'on trouve le bon compromis. Il ne faut pas tout vouloir effacer comme ça. Donc. Euh, et à travers les compétitions internationales, je sais qu'on est dans l'urgence dans et qu'il faut réussir chaque compétition, mais réussir à, à avoir ce petit, euh, cette petite passation de pouvoir au fil des compétitions pour pas justement qu'il y ait un arrêt brutal d'une génération et que les équipes galèrent après quoi. Le, la génération Z, aujourd'hui en, en France, il euh, y a des joueurs à, à 20 ans, euh, Mbappé, euh, Coman, euh, Martial, euh, Dembélé, euh, ils ont déjà, quelques-uns d'entre eux, euh, champions de France, champions d'Allemagne, de, de, champions d'Italie, euh, ils ont des titres déjà à 21 ans. Ça n'arrivait pas il y a 20 ans. La génération Didier Deschamps, euh, euh, Zizou, ils ne sont pas partis à 20 ans. Eux, hein sont partis à 25 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment une génération euh, spéciale. Tous accélèrent. Accélère. Ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Ce n'est pas un souci pour eux d'aller à l'étranger. Partir à l'étranger, euh, euh, nouvelle culture, nouvelle langue, euh, nouvelle alimentation, un nouvel entraînement. Et malgré ça, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des, des échecs. Hein, c'est clair. Mais il faut, faut vraiment bien s'habituer à, à cette génération-là. Et forcément, dans les groupes aujourd'hui, quel que soit le sport, on a des joueurs de cette génération-là, je pense. Et on a aussi des joueurs qui ont 28, 30 ou, ou 32 ans. Donc il y a vraiment un, un, une, comment une manière de manager qui doit être différente avec ces, ces joueurs-là. Mais c'est vraiment une génération particulière. C'est une génération qui est connectée en permanence. En permanence, c'est une génération qui, qui zappe. Ils peuvent pas. Euh, la vidéo, ça peut pas durer plus d'un quart d'heure, hein. sinon ils zappent. Donc, euh, il faut manager par rapport à ça. Par contre, euh, être aussi créatif, euh, aussi euh, efficace, euh, ça fait un moment que je vois des, que je suis dans ce milieu, euh, j'ai pas encore vu ça. Quoi. Il y a une sorte de tuilage. Avec les, les anciens qui préparent un peu la route pour ceux qui sont en oui, train d'émerger. Oui, il faut quelques rappels à l'ordre quand même. Oui, ah. Comment fonctionner mmh. pour euh, faire Moi, rentrer bien. dans le grand bain des, 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 des jeunes à peine formés, on va dire, mais pour qu'ils soient opérationnels assez vite ben, C'est vrai qu'il faut revenir en arrière, là, hein, si je parle de ça. Euh, pour reprendre un peu l'histoire, euh, nous, notre génération, ceux qu'on appelle les experts... On avait souffert de par notre passé euh, avec les anciens qui disaient Ouais, il faut pas que je me fasse piquer la place, en gros. Voilà, d'accord Donc, euh, euh, qui était le. Euh... Donc, du coup, nous, là, le fait d'avoir mal vécu cette expérience et de par ce passé où Claude nous a délégué, on va dire, la tactique, nous, on avait été assez intelligents et on s'est dit que plutôt que de leur faire la guerre, on va s'associer à eux. Donc, on a fait une espèce de tutorat. On a mis, donc du coup, euh, quand les jeunes arrivent en équipe de France, on avait bien compris que s'associer à eux, c'était performer. Donc on est resté jusqu'à aujourd'hui sur, sur ce modèle, où quand les jeunes arrivent en équipe de France, ils sont de suite mis à l'aise, parce que moi j'ai cette mentalité, de par mon passé, et euh, ils ne doivent plus, plus que, que s'occuper que de, que de la tactique. Donc l'intégration, il y a forcément une hiérarchie, donc ce n'est pas faire n'importe quoi, donc il y a euh, les bases. Il y a cette espèce d'héritage. Il ne faut pas oublier où vous êtes, ce que c'est que l'histoire de l'équipe. Mais les anciens sont très soucieux parce qu'ils ont aussi appris par la génération. Aujourd'hui, nous avons un Céryx Sorando qui est le grand frère du collectif et qui reste dans cette espèce de tutorat où les jeunes qui arrivent en équipe de France sont vraiment mis à l'aise par ceux qui sont déjà plus anciens, etc. Et donc, c'est vraiment une histoire de famille, on va dire. Mais bon. C'est des gens à un moment donné, qui ont souffert et qui ont voulu établir quelque chose. Mais chaque, chaque équipe, je pense, a sa propre histoire. former, performer Non, mais si, si. Non, mais moi... Euh, ça reste des joueurs. Donc déjà, il faut qu'ils restent joueurs. Euh, je ne suis pas sûr qu'un joueur de 10... Parce qu'on parle de... Enfin, faut rendre les joueurs responsables de leur propre projet, ça, ça dépend à, quel âge, à quelle catégorie d'âge. Mais je ne suis pas sûr que des joueurs de 17-18 ans ils connaissent l'histoire de, de mon sport. Et ils en ont rien à foutre. Et ils ont bien raison. Parce que ça, c'est une histoire de vieux, l'histoire. Les jeunes, ils sont dans l'action, ils, ils ont envie de courir, ils ont envie de prendre, ils ont envie de jouer, ils ont envie de... Et donc moi, mon objectif, par contre, et on a eu une réunion avec tous les cadres techniques du secteur masculin, pour penser la formation du joueur de 2024, pour essayer de changer cette formation-là, parce que il euh, faut pas mettre trop de théorie dans tout ça, il faut donner des possibilités de s'exprimer, de s'épanouir rapidement, parce qu'ils sont Z et ils vont très vite. Ils s'en ils ils foutent des consignes. Ils lisent pas les consignes. Les consignes, ils font en, en, en tâtonnant, et c'est dans le jeu. Et donc, la, je crois qu'il faut prendre en considération cet élément psychologique du jeune, du jeune joueur. Il faut pas lui, mettre, il faut mettre un cadre. Moi, j'appelle ça un cadre élastique, mais il faut mettre un cadre. Mais il faut savoir qu'ils ont besoin de tâtonner, comme des adolescents, d'aller dans tous les sens. Et donc il faut les accompagner là-dessus, avec un accent sur la travailler le mental très tôt et la compétitivité très tôt. Euh, je crois que c'était surtout dans le foot, on disait qu'il fallait être très technique, et après le physique, on s'en foutait un peu, à l'époque de Platini. Euh, moi, je pense que tout est lié, et que la première chose avant la technique, c'est presque le jeu. Et pourtant, je fais un sport technique. Mais il ne faut pas oublier la dimension, la, la dimension du jeu. Et rendre responsable, c'est euh, donner des, des exemples, mais ils n'ont pas une notion, ils ne sont pas attachés à l'histoire, ils ne connaissent pas leur histoire. L'histoire du sport, ça, vous allez vous dans un musée du sport, c'est triste, quoi. Le sport, c'est la culture instantanée, c'est profiter de la vie, de profiter de, et donc il faut les accompagner dans cette envie d'avancer, sans les les rebuter, mais leur donner envie de continuer, de se développer physiquement, de se développer mentalement, de partir à l'extérieur. Le, le, les jeunes, maintenant, leur, leur jardin, c'est le monde. C'est le monde. J'ai 13 joueurs sur 14 qui jouent à l'étranger. Le foot, c'est pareil. Le basket, c'est pareil. Manda, un peu moins, parce qu'ils sont tous revenus en France. mais <rire> Beaucoup. <rire> ça, ça, voilà, maintenant, ça paye. Mais il faut, il faut s'appuyer là-dessus. Mes, mes, mes joueurs français, mes petits jeunes, là-bas. Ben, Soyez bon, faites attention à votre corps, ayez de l'hygiène, dormez, récupérez, etc. Et puis vous allez partir et vous allez conquérir le monde. C'est beau, je trouve. C'est sympa. Et je crois que là, en montrant ça, eh bien, ils vont se responsabiliser et ils vont vouloir envie d'approfondir et d'aller chercher et d'être plus performants. Mais je, je crois beaucoup en, en la motivation intrinsèque. Je crois que ce qui est important aussi, c'est par rapport à l'environnement, on l'a évoqué tout à l'heure, à travers les agents, à travers... Il y a de plus en plus de, de gens qui gravitent, et pas toujours de manière saine, autour de ces jeunes joueurs. Donc c'est leur projet de vie, c'est leur rêve, ce que tu disais. Et il y a pas mal de jeunes joueurs, moi j'en ai vu au basket, qui se perdent à travers leur entourage et qui les emmènent dans des mauvaises directions. Donc je crois qu'il faut que ces jeunes joueurs, c'est eux qui... C ils sont à la base de leur réussite et il faut les mettre en garde contre des gens qui, qui n'ont pas toujours des bons avis par rapport à eux. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me semble important. Et la petite évolution, c'est qu'il y a beaucoup de gens, notamment les agents, j'ai rien contre les agents, mais qui leur parlent image avant de parler projet sportif. Et je crois que c'est important. Maintenant, malheureusement, ils, ils ont une réussite matérielle qui peut venir assez tôt. Je pense au basket avec la NBA ou dans d'autres sports. Et quelque part, ils ont moins faim que des joueurs qui auraient galéré pour assurer leur réussite matérielle. Donc euh, maintenant, il faut vraiment que l'image passe pas trop devant la réussite sportive. Et, et des fois, c'est les pièges par rapport à certains joueurs. Je pense, euh, nous notamment au basket. Tout est une question d'image, sans parler de la, la carrière sportive où ils peuvent s'épanouir, s'éclater. Je pense que la, la plus belle réussite d'un sportif, c'est avant tout de gagner des titres. Ce n'est pas d'être dans l'image euh, 24 heures sur 24. Je vais vous poser une question là, sur les, les images. Les images techniques, j'entends. Et si les images techniques qu'on peut capter ici ou là, elles rendaient davantage de service au système nerveux que des bonnes paroles. Quel est votre avis là-dessus des... Là, il y a un blanc. Bah, moi, je vais répondre euh, rapidement. Je suis persuadé que c'est essentiel. Moi, je suis kiné de formation aussi. Euh, quand vous avez à rééduquer un AVC, une hémiplégique, euh, vous avez beau lui donner toutes les consignes. Lève le bras, lève le bras, lève le bras il n'y arrivera pas. Hein. Par contre, avec des stimuli, avec euh, des une rééducation adaptée, vous arriverez à lui faire lever le bras. Donc, bien sûr, je suis énormément euh, persuadé que. Euh, ben je vous le dis depuis le départ l'image, les sensations, les paraboles tout ça fait que la visualisation c'est important pour le, la, la, la performance et le, et le, et le développement euh, sur ma carrière sportive, vous savez ce qui me manque le plus moi c'est pas les titres, les matchs c'est les sensations sentir le ballon sur les bras me, sens, me voir sauter oh, pff, ouais, je vais, non je vais attaquer là tiens C est, c est, il me manque ça, les sensations. Si on parle trop au corps, il, il, il n'entend plus rien. Un joueur qui est devenu entraîneur, donc comment on a ce décalage entre le senti et ce qu'on va verbaliser comme entraîneur T'as fait ce passage très vite Moi, je, franchement, je n'ai jamais eu envie de rejouer. Parfois, ce qui est dangereux, c'est que la tête reste toujours jeune. <laughs> c'est ça le problème. On est toujours jeune dans la tête, mais physiquement, on est devenu un débris, au passage. Mais bon, <laughs> interne, hein, je veux dire. C'est vrai, ce, ce, ce ressenti, moi, je ne sais pas. Je sais pas euh, moi, je vis des choses aujourd'hui euh, pleinement. Et euh, la plus grande, le plus grand plaisir, c'est d'essayer de faire avancer un collectif. Au quotidien, et on m'a posé la question juste avant euh, quelle est la différence d'être champion du monde en tant qu'entraîneur ou, euh, ou joueur. Ce sont les mêmes sensations, mais la plus grande satisfaction, euh, c'est de dire que tu as réussi à, à créer une cohésion, créer une cohésion avec des gens qui, qui ont réussi à s'aimer pendant une quinzaine ou une vingtaine ou la durée d'une compétition. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est compliqué quand même euh, <laughs> ces ressentis. C'est oui. pas donné à tout le monde d'avoir été un grand joueur et devenir un grand entraîneur. Il n'y a, a pas beaucoup d'exemples, au foot en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, Zizou est en train de le prouver, au Real de Madrid. Euh, il y en a d'autres, quelques exemples, mais il n'y en, en a pas beaucoup. Parce que euh, quand vous êtes joueur, vous entraînez, et puis une fois que l'entraînement est terminé, pff, tranquille, vous prenez votre sac, vous rentrez chez vous, et, et voilà, l'entraîneur. Quand il gagne un match, il est content un quart d'heure, et il pense au match suivant, il pense au choix qu'il va avoir à faire, il pense à la discussion qu'il va avoir avec le joueur qui va enlever de l'équipe, etc. Donc c'est complètement différent. Il faut qu'il se donne complètement aux autres. C'est vraiment le collectif. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Pour ça que ceux qui réussissent, chapeau. On peut peut-être donner. La parole à l'assistant. Oui. Qui a des questions à poser pour terminer Oui. Euh, bonjour. Alors, euh, euh, surtout sur les sports collectifs, ça m'intéresse parce que sur beaucoup de sports individuels, on essaie de placer l'athlète au centre de son, de son propre entraînement. On va sur lui, on dit ⁇ Écoute, comment tu te sens ?⁇ Ceci. On essaie de partir de lui pour extrapoler sur son entraînement. Sur les sports collectifs, je pense que ça va être plus difficile parce que c'est difficile de prendre l'avis de chaque athlète pour en faire un collectif et une vision commune. Comment est-ce que vous avez géré les, les divergences d'opinion sur la direction à suivre Par exemple, l'athlète qui se dit ⁇ Non, moi, je, il ne faut, faut pas que je travaille ça, je sais qu'il faut que je travaille plutôt ça ⁇ Et vous, en tant qu'entraîneur, vous dites ⁇ Non, mais pour le groupe, il vaut mieux qu'on parte par là-bas. Comment vous faites pour gérer ce genre de situation au quotidien ?⁇ C'est facile sur le plan physique, parce qu'on a quand même une, une écoute du joueur, même si on sait dans quelle phase de travail on est. Sur le plan tactique, c'est ce que j'ai expliqué au début. C'est que je mets en place des situations pour l'équipe, tactique ou technique, et qu'après je laisse du temps individuel pour le joueur s'il veut travailler son service, sa passe, sa réception, son attaque. Comme ça, il y a un travail qui est fait pour l'équipe. Et un travail plus individualisé pour le joueur s'il veut se développer dans un secteur ou s'il veut travailler un secteur différent. Mais euh, 80 du temps, c'est pour l'équipe. D'autres questions. Euh, bonjour à tous, je viens d'un sport individuel, donc je connais pas trop les sports collectifs, donc ma question, euh, tout à l'heure il était question de fougue, de jeunesse, euh, aussi des anciens qui avaient 33 ou plus euh, dans certaines équipes. Donc ma question est, justement ça a été dit pour le handball, il y a une sorte de forme de tutorat, est-ce que c'est vrai, genre dès qu'ils arrivent dans les équipes, voilà, on va, on va constituer des duos, est-ce que ça se fait dans, dans vos sports, est-ce que ça se fait dans vos équipes voilà ma question. Est-ce que est, la, la mise en place de tutorat est faite plus ou moins euh, pour essayer justement de cadrer un peu ces jeunes et que les plus anciens puissent aussi prendre de, des plus jeunes. Quand, quand j'ai parlé de tutorat, c'était que je, je parle bien de gestion de groupe. cest à que c'était valable à l'époque. Maintenant, c'est naturel. D'accord. Donc à l'époque, Claude avait délégué. Donc, du coup, on avait bien compris qu'il fallait s'associer avec les jeunes plutôt que leur faire la guerre, comme auparavant, comme c'était le cas avec Daniel Costantini, qui avait les vieux, qui disaient qu'il Fa ne fallait pas que Dinar prenne ma place, en gros. Donc, moi, comme j'ai mal vécu ce truc-là, j'ai plus cherché à m'associer avec eux. Et aujourd'hui, le jeune qui arrive, forcément, on l'accompagne au mieux, puisque ce sont des jeunes talentueux, nous, on a des problèmes de riches. Mais ce n'est pas, pas, pas quelque chose qu'on recherche. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui arrive en équipe de France, euh, le, le, tous les joueurs sont titrés devant lui. Donc, on n'a pas forcément ce, 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 ce problème. Donc, la, la police, euh, il s'autorégule. Et si, à un moment donné, on voit qu'il qu n'arrive pas à rentrer dans les rangs, forcément, il se, sort seul, il, il se sort tout seul du groupe, du collectif. Mais à la base, euh, cette espèce de tutorat que j'avais évoqué, c'était par rapport à un fonctionnement qui a, qui a aussi euh, été bénéfique pour l'équipe de France au fil des années. D'autres questions? Non? Oui. Bonjour messieurs, euh, j'ai une question un peu orientée pour Pascal Donadieu pour revenir sur la demi-finale. Euh... Non, non, pas du tout, c'est pas. En fait, dans le tous les amateurs un peu basket et ceux qui ont regardé l'extérieur, on a eu deux sentiments on a eu un premier sentiment sur le coup qu'il y avait une approche mentale des joueurs français, cette sensation de se faire rentrer dedans par une équipe argentine qui savait où elle allait, ce qu'elles qu étaient ses forces et ses faiblesses. Et puis après, dans les discussions qui sont arrivées dans les jours d'après, on a forcément parlé de cette histoire de fatigue avec les déplacements. Moi, je voulais savoir comment vous aviez abordé le, la chose à partir du moment où vous savez que vous allez avoir un gros déplacement, forcément vous en parlez dans le staff, comment vous le gérez et est-ce qu'il y a des choses finalement que vous auriez faites différemment Ou est-ce que finalement, il euh, n'y a rien à faire, comme disaient les autres, à un moment, et on ne peut pas tout gérer C'est un peu une question compliquée, mais. Non, non, non. Bah déjà, quand, quand, euh, quand on perd, on peut toujours se dire qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Donc, euh, pour replacer les choses dans son contexte, déjà, il faut savoir qu'on avait une équipe pour préparer les matchs où il fallait qu'on travaille énormément tactiquement et qu'on prépare les matchs. Avec beaucoup de temps. C'est ce qu'on a bien réussi à faire contre l'Australie, contre les États-Unis. La plupart de nos matchs, on avait un, un temps tactique assez important. Là, comme je l'ai expliqué, on joue le mercredi soir contre les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, il n'y avait pas les, les cadors de la NBA, mais il restait quand même des joueurs de très grande qualité. Donc on bat les États-Unis, ce qui restait quand même un exploit. Donc après, il y a bien sûr toute cette. cette pression médiatique par rapport au fait de donner des interviews. Donc le match avait lieu tard, donc on s est, on est rentré à l'hôtel très très tard. Après malheureusement, euh, il se trouve que la compétition en Chine a fait que, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que on était, ce qui nous a été imposé le lendemain, on ne pouvait pas faire autrement. À savoir deux heures de bus très tôt le matin, euh, quatre heures d'avion, du bus après. Donc après effectivement la question et certainement qu'on n'a pas pris la bonne décision puisqu'on n'a pas, pas gagné, c'est qu'après on est arrivé très tard à l'hôtel, on parlait tout à l'heure de récupération, il y avait deux options, où on misait sur la récupération parce qu'on savait que les Argentins, leur qualité première, comme dans beaucoup de sports collectifs, c'est le cœur et l'énergie, et nous on voulait physiquement être dans des conditions acceptables, ou alors on considérait qu'on allait à la salle pour faire un décrassage, pour préparer tactiquement, nous, on a préféré miser sur la récupération. Et effectivement, mais pour des questions de temps, parce qu'on avait eu un jour de moins que les Argentins, tactiquement, on a moins bien préparé ce match-là que les autres matchs. Et, et après, on avait une équipe avec des joueurs, je vais citer un joueur qui s'appelle Andrew Albisi, qui a fait une compétition extraordinaire et qui défendait euh, tout terrain et qui mettait une pression de folie après le match, il nous a dit physiquement euh, j'ai eu des difficultés, il était émoussé. Et nous, dans cette compétition-là, on parle des, des forces et des faiblesses des équipes nous, tout, toute la compétition on a dû mettre beaucoup de rythme on défendait tout terrain, on mettait beaucoup d'intensité. Vincent qui a fait beaucoup de campagnes me confirmait qu'on était peut-être un peu moins talentueux que les autres compétitions, mais on avait besoin de rythme et d'engagement donc on ne l'a pas eu. Après... Les Argentins avaient quand même battu les Serbes avant. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que de la part des joueurs, ce n'était pas une défaillance mentale. Ils ne se sont pas crus arriver parce qu'ils avaient battu les Américains. Au contraire, je pense que quand on est à 40 minutes d'une finale de la Coupe du Monde, il n'y a pas de défaillance mentale. Donc euh, voilà les quelques explications. Après, on peut toujours revenir sur les, les choix stratégiques, mais en tous les cas, on était déçus de... D'avoir bâclé la préparation d'avant-match pour les raisons que j'ai évoquées avant. Après, il ne faut pas ouvrir le parapluie et dire il n'y a que ça. On est passé au travers, on est tombé dans le piège parce que quand c'est comme ça, il y a des adversaires. Ce que nous ont proposé les Argentins défensivement, c'était de qualité. Euh, on a été dominé dans des secteurs qui sont des secteurs de, de basket et de compétition. Merci. Une dernière question. Oui, je voulais savoir si M. Stéphane pouvait développer un peu sur ce qu'il disait sur les jeunes joueurs avec l'efficacité et la créativité particulière qu'il qu avait pointée et si euh, ces deux éléments étaient dus à la culture de l'image dans laquelle ils étaient avec le fait de consommer beaucoup d'images et, euh, et donc euh, peut-être est-ce euh, que ça a un lien avec cette efficacité et cette créativité quoi, supplémentaire à, est-ce que les autres entraîneurs remarquent aussi ce constat-là que faisait M. Stéphane avec les jeunes joueurs ben, Ce que je constate, c'est qu'ils sont bons très tôt et ils sont performants très tôt, ce qui était moins le cas il y a 15-20 ans. Euh, pourquoi Peut-être parce que la formation est meilleure, je dis bien peut-être elle était déjà bonne avant. on a toujours été en avance dans ce domaine là, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, on a travaillé quelquefois un peu plus la technique, quelquefois un peu plus le physique, etc., pour ensuite trouver le juste milieu. donc, dans tous les centres de formation, il y a de très bons, très bons jeunes joueurs. mais ce que j'ai cité tout à l'heure, je pourrais en citer beaucoup d'autres qui jouent dans des très bons clubs à l'étranger, peut-être que vous ne connaissez pas, à Leipzig, il y a Zagadou, euh, il y a Dortmund, pardon, à Leipzig, il y a Upamecano, Mukiele, c'est des joueurs qui ont 20 ans, et qui sont titulaires dans les premières divisions en, en Allemagne, et il y en a plein d'autres. On n'avait pas ça avant, euh, voilà. Est-ce que c'est euh, l'image, est-ce que c'est le travail qu'ils ont fait, est-ce que c'est cette génération là euh, qui euh, subitement, enfin subitement, qui euh, devient plus performante que la génération d'avant. Il y a sûrement un petit peu de tout ça. Voilà. Moi, je fais ce, ce constat que je n'ai jamais vu autant de très bons joueurs jeunes qui peuvent déjà jouer à l'échelon international. C'est un constat. Je vais juste rajouter un truc sur, euh, sur ce détail. Euh, J'ai remarqué que depuis 3-4 ans, euh, sur Internet, avec, dans les réseaux sociaux, en tout cas, au volet, il y a de plus en plus d'actions incroyables, d'attaques incroyables, de réceptions incroyables, de blocs incroyables. Mais c'est un vecteur de, euh, de, de partage de la technique incroyable. Et tous les jeunes reprennent ces gestes-là. Et même mes joueurs, oh, T'as vu l'autre un tel, il a fait ça. Wow. Et puis, ils essayent à l'entraînement de le faire. Et donc, en fait, le. Je me plains pas mal des réseaux, mais là, pour le, 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 la promotion de mon sport, pour la promotion de la technique, eh ben, ils font de la technique en voyant des gestes et ils s'amusent à faire de la technique en essayant d'imiter les autres. Et j'ai remarqué qu'en 4-5 ans, il y avait vraiment une, une propagation de la technique grâce à, euh, au réseau. Et si les, images, les, les images sont des vecteurs, sur les... sont, des, sont des vecteurs de progrès plus que tous les, toutes les belles déclarations. Je dirais même ça pousse les entraîneurs. Donc oui. aujourd'hui, oui, oui. aujourd le jeune, il a accès à toutes ces informations. Donc quand tu lui dis fais ça, il te dit oui, mais pourquoi Alors Carmen te disait oui, monsieur. Ah oui, ah, oui. le jeune aujourd'hui va te dire oui, mais pourquoi Il va toujours avoir l'interrogation de je fais ça, ça va m'emmener où Donc là, il faut aussi être capable, au niveau, toi, en tant qu'entraîneur, de te, te dépasser. Et c'est là où tu as, tu as toujours l'impression d'être remis en cause. Donc si tu arrives comme un donneur de leçons, tu as vraiment intérêt de costaud. Hein. Je pense qu'il vaut mieux pas, moi. Il faut de l'humour, voilà, on utilise tous des, notre façon de gérer notre collectif. Voilà. Alors pour conclure, je vais faire un petit tour de table, je vais vous poser une question, et en 3-4 mots, vous répondez. C'est une, une phrase qu'on a mise en place avec mon collègue Serge Guémard. Et toi Comment tu t'y prends pour avoir une équipe aussi performante wow. <laughs> euh, Je vais avec l'équipe. Très bien. Didier, et toi, comment tu t'y prends pour avoir une équipe aussi performante ben, Je l'écoute. Moi, c'est l'écoute et le euh, pragmatisme. Très bien. Et toi Comment tu t'y prends pour avoir une équipe aussi performante Échange, travail, efficacité. Et toi, Pascal, comment tu t'y prends pour avoir une équipe aussi performante La passion et la confiance. Merci. Merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Je crois qu'on peut les applaudir très fort. Merci à vous de votre participation. On va juste vous embêter un petit peu à la sortie parce qu'il y a le groupe de DES qui voudrait prendre une photo avec vous. Donc je vais vous solliciter pour. Euh, on va se mettre au fond là-bas et on a, on a terminé un petit peu avant. C'est comme ça que vous pourrez être disponible en fonction des déplacements et du transport. Encore merci à vous. Merci au public d'être venu si nombreux. Merci à vous et à la prochaine.